kilomètres. Et vous n'avez pas fait tout ce voyage pour nous toucher, nous, parce qu'on est comme vous. On vous a serré la main, vous avez vu notre main, elle est comme vous, c'est pareil. Mais c'est le Saint-Esprit qui est là. Seigneur, nous tournons vers toi. Commencez à faire monter vers lui vos désirs. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Au moment où Jésus a dit à un homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y en a certains, vous n'osez pas dire à Jésus ce pourquoi vous êtes venu. Vous espérez, vous dites, ce serait bien si Jésus pensait à moi. Mais Jésus pense à toi. Exprime-lui dans ton cœur ce que tu veux, ton besoin profond. Ose prier des mesures, des prières à la mesure de sa bonté, de qui il est. Le fleuve de Dieu est plein d'eau. Saute dans le fleuve. Jésus est là. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, nous t'accueillons maintenant. Sois le bienvenu. Désirons te voir agir dans les cœurs et dans les vies. T'aimons plus que la vie. Et cette journée, Seigneur, nous la consacrons à toi. Nous voulons être plus sensibles à toi. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre. Nous avons faim et soif de ta présence. Nous désirons être encore plus amoureux de toi. Nous désirons être encore plus passionnés de toi. Et il n'y a pas de passion sans révélation. Alors viens te révéler à nous encore. Comme une brèche dans le temps pour un moment divin où tu viens parler à nos cœurs, tu viens parler à notre esprit. Nous t'offrons cette journée et nous te demandons, Seigneur, de venir, nous t'accueillons. Viens saturer ces lieux, ta présence. Nous ordonnons à tout esprit de distraction, d'incrédulité, toutes ces choses maintenant de s'éloigner. Dans le nom de Jésus, nous déclarons maintenant même ce lieu comme un lieu où la présence de Dieu se manifeste avec puissance et avec amour dans le nom de Jésus. Nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Saint-Esprit. Ce verset qui dit tout comme le serviteur a les yeux fixés sur la main du maître et la servante sur les yeux de sa maîtresse. Ainsi nos yeux sont fixés sur l'Éternel. Nous voulons être fixés sur ce que tu fais. Nous voulons suivre ce que tu fais. Nous voulons suivre ton mouvement. Nous ne voulons pas faire toutes sortes de programmes ou toutes sortes de choses qui pourraient être bien, mais qui seraient peut-être à côté de ce que tu désires faire ce matin. Et Saint-Esprit, nous désirons suivre la nuée. Nous voulons être centrés sur toi. Nous voulons être un peuple de la présence de Dieu. Un peuple de la présence de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Sature les cœurs. Sature les lieux maintenant même, dans le nom de Jésus. Envoie ton feu maintenant. Envoie ta présence maintenant même dans le nom de Jésus. Accueillons le Saint-Esprit. Alléluia. Laissez toutes vos distractions, même toutes vos inquiétudes, toutes ces choses maintenant à côté de vous. C'est un temps qui est dédicacé à l'Éternel. C'est un temps qui est pour Dieu. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Il sait tout. Il connaît vos problèmes, vos difficultés, votre désir, votre soif. Il sait tout de vous. Il sait tout de vous. Notre rôle aujourd'hui, c'est juste de garder les yeux fixés sur Jésus, nos pensées sur Jésus. God alive. Viens, Saint-Esprit.
Je bénis le Seigneur. Que tout en moi bénisse son nom sacré, dit le psaume 103. Que je bénisse le Seigneur. Que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que le Seigneur a fait des bonnes choses pour vous? Rappelez-les-vous dans votre cœur. Remerciez-le. Remerciez-le qu'il est venu vous chercher. Peut-être vous étiez comme dans un désert spirituel. Vous criez à lui, vous dites, mais est-ce que Seigneur, tu m'entends? Il vous a dirigé, il vous a conduit, un ami vous a parlé de ce qu'on faisait. Vous avez lu un livre, vous avez écouté un live, vous avez regardé une vidéo. Et le Saint-Esprit vous a touché. Il y a une flamme qui s'est ranimée dans votre cœur. Ses bienfaits, sa bonté s'est manifestée envers vous. Remerciez-le pour cela. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion. Seigneur, on vient contre tous les mensonges concernant le fait que peut-être tu n'aurais pas compassion, concernant le fait que tu voudrais qu'on reste dans telle ou telle condition difficile. Non, toi, tu es celui qui a compassion. Et nous nous tournons vers toi au trône de la grâce. Nous ne prions pas un siège ou un fauteuil, nous prions le Dieu de la grâce qui est assis dessus. Tu es bon et tu as compassion de nous. Et Seigneur, nous approchons en souriant, parce que ta colère n'est pas sur nous. Mais Jésus, tu es venu et le Père était en toi, réconciliant le monde avec nous. Et je prie, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, il y ait une révélation de ta bonté, de ta grâce. Il rassasie de bien ta vieillesse. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Au nom de Jésus, je déclare tous ceux qui peut-être se disent, mais est-ce que Dieu a encore quelque chose à faire avec moi? Le Seigneur veut t'utiliser. Le Saint-Esprit ne prend pas de rides. Il ne vieillit pas. Il a des bons plans pour toi. Tu es un ambassadeur pour Christ. Le Seigneur agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Et Seigneur, on veut se souvenir de qui tu es, aussi de tout ce que tu as fait. On va partager des témoignages aujourd'hui. Et Seigneur, on veut célébrer, glorifier ton nom parce que tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas une philosophie, tu n'es pas une idée, tu n'es pas un concept. Tu es le Dieu vivant, tu agis. Tu agis d'après qui tu es, tu accomplis tes promesses, elles sont oui, amen en Jésus. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il ne garde pas sans cesse rancune pour toujours, il n'accuse pas. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Nous nous tournons vers toi ce matin, Seigneur. Et tu es le centre de notre attention, le centre de notre affection. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes que des vases, Jésus. Viens nous remplir. Dites à Jésus, remplis-moi. Je ne vous demande pas de l'écrire dans le chat. Dites-le simplement. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Que tes vives eaux coulent au travers de ma vie. Que ma coupe déborde, tu oins d'huile ma tête. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Le Seigneur ne peut pas remplir quelque chose qu'on a déjà rempli. Donc, ce n'est pas par nos forces, nos propres sanctifications, notre propre caractère ou quoi que ce soit que nous pouvons nous remplir. Tout est à propos de Jésus. C'est par la foi que nous sommes sanctifiés, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Alors, si l'ennemi vous a fait croire qu'il fallait, bien sûr, on vous a encouragé à prier, à jeûner pour ce temps, mais ce n'est pas pour manipuler Dieu, ou ce n'est pas pour tordre le bras de Dieu. Au contraire, le jeûne et la prière, c'est pour être plus sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là qu'on dit à notre corps,
Notre corps, c'est l'esprit qui commande. C'est à un moment donné où c'est notre esprit qui prend le dessus sur notre corps, sur nos désirs. Et c'est juste, ça vient aiguiser nos sens spirituels. Et on est là, on dit, Seigneur, maintenant, c'est toi, remplis-moi. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est tout simplement de dire, ça n'a rien à voir avec moi, tout est à propos de Jésus. Et s'il veut me bénir, il veut me bénir, il va me bénir, il va me remplir, il va me toucher, il va me guérir, il va me restaurer, il va me baptiser dans le Saint-Esprit, il va me renouveler dans le Saint-Esprit. Je vais vivre toutes sortes de choses uniquement par sa grâce. Par sa grâce. Tout a été accompli. Et comme je dis souvent dans mes lives, nous n'avons rien à rajouter ou à enlever dans le tout est accompli de Jésus. Ce qu'on enlève ou ce qu'on rajoute, c'est de l'orgueil. On a juste à accepter, on n'a pas à le mériter, on a juste à hériter, à dire je prends. Tel un enfant à la maison de son père, ses parents, dire je prends. Donc ayez cette attitude ce matin, dans toute cette journée. Ayez ce cœur, cette disposition d'esprit de recevoir. Et que ça n'a rien à voir avec vous. Ça a juste à propos de Jésus qui veut vous bénir. Qui peut et qui veut vous bénir. Alléluia. Je vous invite à lever la tête, regarder le ciel ou le plafond. C'est pas... et souriez. Ouais. Pensez à Jésus et souriez. Ouvrez votre cœur. Prenez une grande respiration. Seigneur, recevoir tout ce que tu as pour moi. Je crois que tu m'aimes, que tu as des bonnes choses. Je m'attends à toi. Gloire à Jésus. Et oui, on va commencer. Continuez de commencer. Alors, bienvenue. On est content de vous voir. C'est mieux que sur un live, quand même. C'est vrai. Sauf que sur les lives, on peut se permettre d'être en chaussons. C'est vrai. Ou en pyjama. Ou en pyjama en bas, juste le bas. On a dû mettre des chaussures. Ouais, on a dû mettre des chaussures. Mais on a mis des petites soquettes et en fait, on n'y a pas pensé, mais il fait très froid. Il y en a froid au pied. C'est la cheville qui a froid, là. Ouais, moi aussi, pareil. C'est bien des fois de rigoler, de se détendre, d'accord ? Parce que des fois, on est un peu trop crispé. Juste, c'est ça le repos de Dieu. Donc voilà. C'est, Est-ce qu'on a des gens qui viennent de la région là, du sud de la France, là, un peu la Côte d'Azur, tout ça, la côte là ? Ça fait grand. Waouh. Soyez les bienvenus. Okay. Est-ce qu'on a des gens qui viennent au-dessus de Lyon ? Entre Lyon et Paris ? Ouais, entre Lyon et Paris, super. Est-ce qu'on a des gens qui viennent après Paris ? Des gens du nord là ? Super, waouh. Est-ce qu'on est belges ? Oh, on a des Belges ! On a des Belges. Waouh ! Yes ! Gloire à Dieu ! Soyez bénis ! Est-ce qu'on a des Suisses ? Oui, yes. On a des Suisses ! Est-ce qu'on a des gens d'autres pays ? C'est déjà pas mal. Attends ça. On n'a pas de personne du Burundi aujourd'hui. Non. Nouvelle-Calédonie, tout ça. Est-ce que... Juste, on voulait voir un petit peu, certains vous avez été invités par des amis, d'autres vous recevez nos emails. Qui reçoit nos emails ? Vous êtes abonnés, tout ça, vous recevez les emails. En fait, si vous êtes là, c'est parce que vous avez répondu 6 heures après qu'on a envoyé l'email. Après ça, il n'y avait plus de place. Ouais. Là, vous êtes les plus assoiffés, les plus connectés. Ouais, c'est là. Ça. Parce qu'il y a des gens quand même qui sont rentrés chez eux, ils se sont dit, tiens, il y a une conférence. Et il n'y avait plus de place. Vous écrivez, comment ça, il n'y a plus de place ? Ça ne marche pas. Non, il n'y a plus de place. Et du coup, après, on a ouvert le lendemain. Voilà. Et en journée, c'était plein. Donc le lendemain, ils ont dit, ah mais tiens, ils ont réouvert. Il n'y avait plus de place. Voilà. Donc du coup, on est très contents. Donc les prochaines fois, on fera peut-être dans d'autres villes aussi. Donc on prendra peut-être des endroits salle un peu plus salle plus grande pour accueillir tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens... Est-ce que vous nous entendez bien par rapport à la musique ? Ça va ? Bon, super. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez déjà été guéris en regardant une de nos vidéos, un des lives, juste faites-nous signe. Vous avez personnellement été guéri, juste qu'on puisse voir. Plusieurs là. Une, deux, trois.
3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y en a, vous avez commencé à entendre Dieu? Vous entendez maintenant le Saint-Esprit vous parler? Waouh, super. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y en a, vous avez commencé à interpréter vos rêves? Dieu vous parle dans des rêves et là maintenant, ça, vous avez passé dans une autre dimension. Ça change votre vie. Ça commence. Ça commence. Ça, c'est la foi. C'est ça. C'est de dire, je vois une petite pousse, mais ça va devenir un chêne. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Qui a fait le défi guérison? Yeah. Alors, vous êtes l'équipe de prière. C'était une offre d'emploi. Vous êtes réquisitionné comme volontaire désigné. La signature, c'était le fait que vous ayez levé la main. C'était un geste prophétique. Qui a vu des guérisons? Vous avez prié pour des gens, vous avez lu nos livres, vous avez mis en pratique les enseignements et vous avez commencé à voir des guérisons autour de vous. Gloire à Jésus. Donc, Jésus est vivant. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus est vivant et on a soif de plus. On a soif de plus. Et vraiment, notre cœur, aujourd'hui, c'est de vous affermir. Parce que nous, on n'est pas le Saint-Esprit, hein. On n'est pas des gourous, ça vous avez bien compris, hein. Nous, on est là juste pour vous affermir. On veut vous encourager, on va prier ensemble, on va vous partager quelques points. Mais la réalité, c'est que si le Saint-Esprit n'est pas là, ça va être vite fini. Parce que nous, on n'a pas grand-chose. C'est vraiment l'action du Saint-Esprit sur laquelle on compte. Ouais, c'est ça, on n'a pas de plan B, quoi. Le plan, c'est le Saint-Esprit. On n'a pas de plan B, hein. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit n'agit pas, ben, vous serez venu à voir deux personnes parler sur un estrade. Voilà. Mais Jésus nous a dit de faire ce face-à-face. C'est Il ça. Nous a dit, je suis avec vous. On sait que les anges sont avec nous, Dieu nous escorte. On sait que l'ennemi n'est pas content. Ouais. On sait que Dieu voit votre soif et qu'il veut vous toucher, qu'il veut vous bénir. Alors on s'attend à lui. Tout au long de la journée, on prévoit une pause vers midi et une pause vers 17h30. Ça, c'est ce qui est prévu. D'accord ? Maintenant, ça se peut que ça décale. Si vous voyez vers 14h quelqu'un qui tombe de sa chaise, qui défaille, demandez-lui s'il a faim. Si c'est une crise d'hypoglycémie, d'accord? C'est ça. Si c'est le Saint-Esprit, vous priez pour plus. On va suivre ce que Dieu fait. On a des idées un petit peu de ce qu'on va faire. C'est ça. Mais, c'est un peu comme dans nos lives, hein. Vous savez, des fois, pour ceux qui... Attends, il y a un bruit. C'est parti. Mais vous savez, des fois, dans les lives, on dit on va recommencer à prier, puis tout d'un coup, ça part sur autre chose, des paroles de connaissance, et puis tout ça. Donc, ça va être un peu le même programme, hein, ça va être un peu le même live. C'est pour ça qu'on est tous les deux sur l'estrade, comme si c'était un live, en fait. Sauf que nous, on n'est pas devant une caméra, avec un truc rond, là, avec une petite lumière rouge. On va vous voir. Donc, moi, ce que je vous encourage, et ce que je nous encourage, c'est d'être dans une attente active. Vous savez, quand Jésus nous demande d'être des enfants, moi, j'ai 3 enfants. Et en fait, quand ils sont bébés, ils ont une faculté incroyable d'être dans une attente active. Pas une attente passive. Vous savez, de dire, ouais, ben j'attends, mais en fait, t'attends quoi? J'attends mon biberon. Non, non. Ils te regardent d'une manière... Malheureusement, c'est un peu classique, mais j'ai toujours les derniers enfants, là, ma dernière, là, elle arrive toujours à m'avoir. J'en ai déjà parlé dans un live où elle me dit, papounet. Là, je sais que c'est mort, quoi. Tout ce qu'elle va me demander, ensuite, elle va la voir, quoi. Et elle fait exprès. D'ailleurs, les deux grands, des fois, quand ils veulent des choses, ils demandent à la petite de venir me voir pour me demander. Mais vous voyez, cette attitude d'une attente active. On arrive à activer, les enfants arrivent à activer dans la vie de leurs parents quelque chose qu'ils aimeraient avoir. Et par amour et par compassion, on le donne. Et il y a ma femme qui arrive en disant « Pourquoi tu as fait ça ?» Je ne sais pas, je me suis fait avoir encore une fois. Mais je crois que quand on grandit, on perd cette faculté-là. Et je crois que quand Jésus nous demande d'être des enfants... Attends, je vais me décaler, parce qu'il y a quand même du monde de l'autre côté aussi. Voilà. Et quand Jésus nous demande d'être des enfants, c'est ce côté de dire, je suis dans la présence de Dieu, mais je m'attends à ce que quelque chose se passe. Je ne suis pas en mode, j'attends, ça va arriver, j'espère, je le crois. C'est de dire, je viens, mais il y a comme un... J'appelle mon bien-aimé. Je vais venir le chercher. Et je crois que c'est le micro qui... Vous entendez ce bruit ou il n'y a que moi qui attends ce bruit? Il y a trop de bien sur mon micro. Ok. Donc, je crois qu'il restait dans cette attitude-là, de dire d'attente active, d'attendre à ce que quelque chose se passe, que Dieu va agir, que Dieu va étendre ses mains,
que Dieu va vous toucher, que Dieu va vous bénir. Et c'est comme ça qu'on déclenche le miraculeux. C'est comme ça qu'on amène le surnaturel dans nos vies et dans la vie qui nous entoure. C'est ça, créer une atmosphère favorable à la faveur de Dieu, une atmosphère favorable à la guérison, une atmosphère favorable à ce que Dieu agisse. La Bible dit Dieu siège au milieu de louange de son peuple. Pourquoi Dieu siège? Parce qu'on a créé une atmosphère de louange, n'est-ce pas? C'est pareil. Une attitude active crée une atmosphère, crée quelque chose, et Dieu prend plaisir à cela, et il vient, et c'est comme un trône pour lui. Il vient parce qu'il est accueilli. D'accord? Donc n'attendez pas à ce que même on prie pour vous ou autre, mais attendez-vous à ce que là, dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui prend place. Donc, tu veux que je partage le flyer? Ok. Vous avez normalement reçu un petit flyer. On va faire un petit peu le décorum là, avant de commencer. Qui n'a pas reçu de flyer? Vous avez un sur votre chaise. Normalement, vous avez une sur votre chaise. On s'est dit que ça allait être plus facile de vous donner une feuille plutôt que de mettre des choses sur l'écran. Alors, on aura, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on va avoir peut-être à un moment donné des questions dans la journée qu'on pourra répondre. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, d'accord? Mais comme dans nos lives, on prend des fois quelques temps pour répondre à des questions dans le chat. Là, on fera la même chose. Donc, vous pouvez aller sur faceaface.live/Q pour questions, ou vous scannez le QR code avec votre téléphone, vous posez votre question, et nous, on reçoit la réponse. On reçoit votre question, d'accord? Ça sera plus simple. Okay. Et on regardera et on dira, ben voilà, telle personne a posé telle question, on prendra le temps. On ne sait pas comment ça va se passer, encore une fois. On va voir un petit peu comment la journée va se dérouler. Mais vous avez ce QR code. Le deuxième, c'est un témoignage. C'est important, les témoignages. C'est important, les témoignages. Si Dieu vous a touché, si quelque chose s'est passé dans votre vie, Jésus vous a guéri, n'hésitez pas, on fera faire témoigner même pendant la journée. Il y a le micro, on va pouvoir vous entendre. Mais il y a par exemple même des choses, on va prier pour vous, ce n'est pas vérifiable sur le coup, d'accord? C'est des choses, vous allez devoir voir un médecin, avoir une preuve médicale. Et bien, à ce moment-là, vous ramenez ce petit flyer chez vous et vous allez sur le QR code ou sur l'email qui est là pour donner votre témoignage. Okay, si pour ceux et celles qui ne reçoivent pas nos emails, ben voilà, recevoir les emails de David Théry ou recevoir les emails de Jérémy Potin, c'est là. Et ensuite... Qu'est-ce qu'il y a dans les emails? Dans les emails, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes béni de recevoir les emails? Bon, vous en recevez pas mal, hein? Moi, le mois dernier, j'ai envoyé 700 000 emails. C'est pas mal, 700 000 emails. C'est pas mal. Moi, j'en ai pas envoyé beaucoup, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais juste pour que vous compreniez pourquoi, en fait, on le fait, c'est parce que, on a, vous savez, en Israël, c'est un pays qui est un peu désertique, et là, c'est eux qui ont inventé l'irrigation goutte à goutte. Et je pense qu'on peut baisser le gain sur mon micro, Stéphane, ce serait top. Et l'irrigation goutte à goutte, c'est beaucoup plus efficace qu'un orage de temps en temps. En fait, notre foi, elle doit grandir. Et quand tous les jours, je reçois des témoignages différents de personnes qui vivent des choses avec Jésus, ça me donne soif. Ça augmente ma foi. Et c'est ça l'idée, en fait. L'idée, c'est quand moi j'ai créé l'école, le ministère surnaturel francophone, en gros, c'est ma chaîne YouTube avec tous les enseignements gratuits. L'idée, c'est que les gens qui sont chez eux, qui ont leur travail, leur famille, tout ça, puissent... n'importe quel moment du jour, de la nuit, de la semaine, aller se nourrir, grandir, mettre en application. Et nous, on veut vraiment mettre comme un... C'est un peu comme un buffet. Je ne sais pas si vous allez manger dans les buffets, là, à volonté. Un buffet avec tous les plats du monde, là. Et là, tu peux manger tout ce que tu veux. Et l'idée dans les emails, c'est qu'on partage. Donc, bon, on annonce ce qu'on fait. Il y a des enseignements, il y a des vidéos, des lives. Mais il y a aussi tous ces témoignages. Et c'est vraiment... Et moi, ce qui me bénit le plus, c'est quand quelqu'un m'écrit... Voilà, je vivais ça, ma vie spirituelle, c'était pas trop fort. Et puis, mais grâce au témoignage, j'ai repris vie. Et là maintenant, j'étais au supermarché, ou j'étais chez ma collègue, ou chez ma voisine, ou ma cousine, ou ma grand-mère. Et là, je me suis souvenu du témoignage que j'avais lu le matin. Et là, j'ai osé prier pour elle. Elle a été guérie. Et là, ça marche, j'en reviens pas, c'est incroyable, c'est vraiment vrai. Jésus m'utilise, on pleurait, on était dans la joie. Et c'est pour ça qu'on fait ça, d'accord? Donc, ce n'est pas juste pour vous envoyer de la pub, c'est vraiment, il y a une valeur importante. Il y a des fois des gens qui nous suivent que sur YouTube, et c'est bon. Mais il y a une partie qui est cachée, qu'on ne voit pas sur YouTube, c'est ce qui se passe dans les emails, en fait. Et on vous encourage à les lire, on vous encourage à lire les témoignages. Des fois, vous allez lire un témoignage,
Et il y a une clé qui va vous être donnée. Le Saint-Esprit va vous parler parce que vous êtes capable de vous identifier. Vous dites, mais moi je pense ça, je pensais comme lui. Et regarde comment Dieu l'a utilisé. Ah ben il peut le faire avec moi. Ah ben moi, je vis telle chose. Voilà, partagez, lisez les emails et pouvez vous inscrire, vous allez être bénis. Ouais. Non, parce que c'est là on parle. On a des trucs à vous dire. Ouais, c'est ça. Non, parce que j'allais surenchérir, mais en fait, il faut qu'on passe à. Mais après, le dernier QR code, c'est faire un don. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a toutes les infos. Ça se fait au niveau des livres, d'accord. Il y a des paniers. Voilà, vos dons nous permettent de faire ce qu'on fait. Nous permet de, par exemple, le défi guérison, de le faire gratuitement, de mettre toutes sortes de choses en place pour pouvoir faire ce qu'on fait. Voilà, je m'arrêtais là pour ça. Vous pouvez donner avec le QR code pour carte de crédit ou virement, hein, c'est marqué dessus. Et sinon, par cash ou chèque, vous pouvez mettre dans la boîte qui est à l'entrée, la table de livres. Ok. Alors, c'est à mon tour, on s'est réparti les choses, ce qu'on doit dire. On va, au cours de la journée, donc on va prier, il va y avoir des témoignages et on va partager des témoignages. Et vous savez que c'est important les témoignages, je viens de le dire. Ce qui nous intéresse quand on partage des témoignages, c'est qu'on veut des témoignages authentiques. Et on sait que vous voulez aussi des choses authentiques, parce que ce qui bâtit la foi, c'est les vraies choses. D'accord ? Et si vous grandissez, c'est parce qu'on vous partage des vraies choses et du coup, vous vivez des vraies choses. Et c'est vrai. Et donc, on fait une distinction entre le fait de dire Jésus m'a guéri parce que c'est vérifiable et je sens que Jésus m'a touché, je crois qu'il m'a guéri mais je ne peux pas le vérifier encore, il faut que j'aille voir le médecin. D'accord ? Donc, si j'avais une sciatique et que je suis rentré en marchant comme ça et que je ne pouvais pas me lever et que là maintenant on a prié et puis progressivement maintenant j'ai plus mal, je peux dire j'ai plus mal, Jésus m'a guéri. Maintenant si j'ai du diabète, j'ai ressenti une chaleur dans mon ventre et j'ai vu une vision que Jésus me touchait et qu'il me souriait, je ne peux pas dire je suis guéri du diabète. Je peux dire j'ai ressenti une chaleur dans mon ventre, j'ai vu une vision, Jésus m'a guéri, m'a touché et je vais aller faire une prise de sang. D'accord ? D'accord ? Parce qu'en fait, ce n'est pas une preuve de foi ou d'incrédulité, c'est juste que nous, ce qu'on veut, c'est bâtir un climat de foi et c'est pour ça qu'on veut des choses authentiques. D'accord ? Cela dit, si vous avez vu Jésus qui vous touchait, qui vous souriait et que même vous n'avez pas le résultat de la prise de sang, ben, il faut le dire quand même parce que c'est quelque chose de réel que vous avez vécu. Et il y a des choses qu'on va entendre par la suite. J'ai partagé, je pense, cette semaine un témoignage d'une femme qui avait de l'ostéoporose, d'une personne de 80 ans, depuis qu'elle avait 55 ans. Et là, maintenant, elle a 62 ans, donc ça faisait 7 ans qu'elle avait ça. Et ostéoporose avancée, je crois, sévère, je ne sais plus comment c'est quoi, il y a un mot spécial. Et donc, c'était au mois de juillet, le 16 juillet, dans un des lives du défi guérison, elle a senti la puissance de Dieu venir sur elle. Et les douleurs qu'elle avait dans les lombaires depuis 7 ans sont parties. Depuis, elle n'avait plus de douleurs. Mais elle a refait son densimétrie, ça, un examen de densimétrie des os là, récemment, et donc j'ai partagé le témoignage, et là il y a eu le résultat comme quoi c'était plus là. Et donc, mais elle avait quand même vécu quelque chose. Donc dans live, elle a dit voilà, j'ai plus mal au lombaire, la douleur est partie, et maintenant ce que je peux dire c'est que mes os ont changé vraiment. D'accord ? Donc on veut partager des choses qui sont authentiques, et donc au cours de c'est important aussi que vous partagiez ce que vous vivez, d'accord ? À plusieurs reprises dans la journée, on va vous faire témoigner. Parce que le témoignage prophétise et bâtit la foi, d'accord ? Donc, et quand on partage ce que Dieu fait, ça donne gloire à Jésus. Et régulièrement, on voit des gens qui sont guéris en entendant les témoignages. Donc, c'est vraiment important, d'accord ? Donc, comment ça va se passer ? Oui, vous pouvez l'écrire avec le QR code, tout ça, mais ça, c'est quand vous allez rentrer à la maison ou à la fin de la journée, vous nous faites un petit résumé, ce que vous avez vécu, tout ça, c'est super. Mais tous les timides, là, les gens qui ont peur du micro, n'ayez pas peur, donnez gloire à Jésus. D'accord ? Partagez. Donc on vous va faire venir ici parce que comme ça on vous voit tout le monde. Moi je tiendrai le micro ou Jérémy, on va vous interviewer, vous allez raconter ce qui se passe. Et quand on raconte un témoignage, ce qui nous intéresse en gros c'était quoi avant ? Depuis combien de temps ? C'était quoi le problème ? Les choses essentielles ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vécu là maintenant ? Et puis comment c'est maintenant ? C'est quoi la différence ? D'accord ? Pas besoin forcément de tous les détails et tout ça parce que ça se peut qu'on en ait beaucoup, hein, on croit qu'on va en avoir beaucoup. Et donc on veut être concis et efficace. D'accord ? Si vous aviez mal au dos, vous prenez de la morphine, mentionnez-le. D'accord ? Ça permet de se rendre compte de quel était le problème. Ok ? Jérémy, c'est à toi. Ouais. Alors, ne soyez pas étonnés ou perturbés si vous voyez des choses qui se passent dans la salle. Des choses inhabituelles. D'accord ?
C'est vrai que quand on fait un live, vous êtes tout seul devant votre ordinateur, d'accord ? Là, c'est comme si tout le monde était sur le même ordinateur, d'accord ? Donc il y a des gens, des fois, alors ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça peut arriver. S'il y a des manifestations spirituelles, s'il y a... Si on n'est pas étonné, soyez pas étonné, d'accord ? On gère, on sait ce qui se passe. Donc il y a peut-être des gens qui vont vivre des délivrances, il y a des personnes qui vont être touchées d'une certaine manière. Donc ne soyez pas étonné de ça. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui intervient, tout est en contrôle. Donc voilà, donc soyez pas étonnés de cela. Voilà. Soyez... Si vous avez une question, l'idée c'est poser la question, on va essayer d'y répondre, mais ne laissez pas le fait que vous n'avez pas la réponse à votre question vous dire oula, c'est bizarre, je ferme mon cœur, j'aurais pas dû venir, qu'est-ce que je fais là ? D'accord ? Attendez-vous à Jésus, dites bon, ok, ça je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Un enfant il comprend pas tout ce que font ses parents, mais c'est pas grave, il sait pas comment la voiture fonctionne, mais c'est pas grave, il est emmené à l'école quand même, d'accord ? Ou à la piscine, ou je sais pas où. Donc voilà. On vous expliquera de toute façon, si et si. Comment ? Je dis protéger votre cœur. C'est ça. Je te laisse, du coup. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, mais lorsqu'on va prier, on va vous demander de vérifier, de tester. Et en fait, bon, tout à l'heure, Jérémy vous a parlé d'avoir une foi d'enfant, mais c'est vraiment important de tester activement, d'accord ? Si vous avez besoin de courir, eh ben allez courir. Si vous avez besoin de faire des pompes pour vous rendre compte d'état de votre épaule, faites-le. Si vous avez besoin de bouger, ne soyez pas gêné en disant bon voilà, je crois que Jésus m'a touché, mais je n'ose pas bouger, je suis gêné que tout le monde me regarde. Non, en fait, on voit le niveau de foi de la salle à la façon dont les gens interagissent. Vous n'êtes pas dans une réunion d'église classique, d'accord ? Je ne pense pas que quelqu'un va descendre du toit porté par des cordes par ses amis, mais on s'attend à des choses, d'accord ? Donc l'idée c'est que vraiment il faut vérifier. Peut-être vous allez avoir besoin de vous mettre accroupi, de monter des escaliers s'il y a besoin. Je pense qu'on a des escaliers quelque part, vous allez pouvoir tester. Enfin, l'idée c'est que peut-être vous allez devoir porter une chaise pour vous rendre compte de comment ça va, tester à enlever vos lunettes, j'en sais rien. L'idée, soyez proactifs dans le fait de vérifier et de tester, de vous attendre à Jésus. Et il y a des gens aussi, vous allez être guéris, vous allez sentir la puissance de Dieu venir sur vous, vous allez sentir une chaleur, de l'électricité, un engourdissement, une fraîcheur, mais d'autres, vous n'allez rien sentir. Et c'est en vérifiant que vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri. D'accord ? Donc vérifiez. Et peut-être que vous avez vérifié déjà 5 fois ou 10 fois depuis le début de la journée, mais entre deux, vous avez entendu des témoignages, Dieu agit, s'est passé des choses. Et là, il va y avoir une percée. D'accord ? Donc soyez proactifs. D'accord ? C'est pas un spectacle, on n'est pas en train au cinéma de regarder ce qui se passe là. On veut que vous soyez proactifs. On compte sur vous à ce niveau-là. Soyons aussi actifs dans ce moment. C'est-à-dire que Dieu peut nous donner des paroles ou... Des paroles connaissances ou prophétiques, des choses à faire hein, quand on peut vous appeler ou autre. Donc soyez actifs, soyez tout simplement actifs quoi. Soyez avec nous. Si on vous appelle, venez. Ben, moi, si vous êtes timide, on va pas vous faire venir là pour faire des pompes au milieu, d'accord ? Mais je parle d'être ensemble et de dire on sent si Dieu veut faire quelque chose en particulier. Soyons comme ces personnes. Vous savez, c'est cette image. C'est l'image de l'ancienne alliance, parce que Jésus n'est pas encore mort à la croix. Mais vous savez, l'ange de guérison qui touche l'eau, là, le premier qui saute va être guéri. Là, ça ne va pas être le premier qui est le plus rapide qui sera guéri, d'accord ? On n'est pas là-dedans. Jésus a tout accompli. Jésus n'est pas encore mort, là, et ressuscité. Mais il y a ce côté d'être actif, d'être Dieu a parlé, je fais. Dieu veut faire quelque chose. On y va. On croit que Dieu est là. On croit que Dieu veut agir. Et on est juste prompt à répondre à ce que Dieu nous demande. C'est important aussi que vous vous réjouissiez de ce que Dieu fait. D'accord ? Il y a des gens qui sont guéris en rendant grâce à Dieu pour la guérison d'un autre. Donc ne soyez pas dans cette attitude un peu bougon. Ah, moi, c'est pas mon tour, on m'a oublié. Et puis pourquoi lui et pas moi ? Moi, j'avais plus besoin et pourquoi elle était ? Non, Jésus, je célèbre ce que tu fais. Parce qu'en fait, tu as plus de chances d'être guéri dans un endroit où il y a des guérisons que dans un endroit où il n'y a pas de guérison. Donc en fait, réjouis-toi, dis ok, j'ai bien fait de venir, je suis à la bonne place. Et remercie Dieu, célèbre ce qu'il est en train de faire, donne gloire à Jésus. D'accord ? Ouais, t'as... Répondre rapidement aux paroles de connaissance. Vraiment, si on reçoit des paroles de connaissance, on va bien sûr les libérer. Et on s'est rendu compte que dans l'exercice du ministère, sinon on reçoit une parole de connaissance... On ne va pas attendre la fin du message ou la fin de ce qu'on est en train de dire pour la donner, d'accord ? Il se peut qu'on s'arrête, qu'on donne la parole parce que Dieu veut agir là de suite maintenant.
et répondaient aussi rapidement. Et on s'est rendu compte que plus on tardait à la donner, et plus, moins il y avait de guérison. Et plus les gens prenaient du temps à répondre à cette parole qui était libérée, moins il y avait de guérison. Donc, on sait que Dieu, quand veut agir là, maintenant, de suite, on donnera la parole, répondez. Nous, on va être aussi sensibles à cela en disant, ok, Dieu veut agir là, maintenant, on s'arrête et on libère la parole de connaissance, on prie. Plusieurs personnes qui nous ont envoyé des emails en disant, c'est quoi le programme, détaillé et tout ça. Vous n'avez pas eu de réponse, vous avez vu. Ou disons, ben, on va voir, tout simplement, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit, en fait. C'est ça le programme. On vous enverra le programme ce soir. C'est ça, si vous voulez. On peut faire un rétro-programme, si vous voulez. Un rétro-programme. Et donc, ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Quand vous allez chez le médecin, vous ne mettez pas un sac en carton sur votre tête, là, un sac en papier brun, pour vous cacher, ou une cagoule, là. Vous allez chez le docteur, les gens, ils ne savent pas pourquoi vous êtes là. Mais là, si par exemple, on dit, voilà, il y a quelqu'un qui a un tel problème, soyez à l'aise de lever la main et on va juste prier, d'accord ? Parce qu'en fait, les gens qui sont à côté de vous, ils ont aussi envie d'être guéris, ou ils veulent aussi prier. Vous êtes quand même dans une atmosphère sécuritaire. La caméra, elle filme ce qui se passe ici uniquement, d'accord ? Là, on ne vous voit pas dans la salle et ce sera pas mis, ça sera mis sur YouTube, mais envoyez seulement à ceux qui sont sur notre liste. Ce sera pas mis publiquement. Personne ne peut avoir, peut avoir cette vidéo. C'est que 50 000 personnes qui vont le recevoir. C'est ça. Mais ce ne sera pas mis publiquement. Il faudra avoir le lien qu'on envoie par email pour le recevoir. D'accord ? Voilà. Donc, quand on va prier, quand on va demander est-ce que quelqu'un a été guéri par Dieu, touché par Dieu, si vous voyez que Dieu est en train d'agir, vous ressentez quelque chose, levez juste une main, d'accord ? Une main. Si vous voyez que vous avez totalement été guéri, il y a de plus de 80%, d'accord ? Parce que vous savez, même dans nos lives, vous avez vu, hein, des fois les personnes sont en train d'être guéries. On accompagne la guérison, on continue à prier pour qu'on amène jusqu'à la guérison totale. Donc, si Dieu est en train d'agir, levez une main. Okay. Et si vous avez été guéri à plus de 80%, d'accord, levez les deux mains. Pour que nous, on puisse voir ce qui est en train de se passer. Si vous êtes autour, nous, et les gens qui sont autour, ben vous continuez à prier pour ces personnes-là. Et si vous voyez que des personnes ont levé les deux mains, les gens autour, applaudissez. Applaudissez parce qu'on n'applaudit pas la personne, hein, on applaudit ce que Dieu est en train de faire. D'accord ? C'est parce qu'en fait, on va vous faire prier aussi les uns pour les autres. Ah ben oui. D'accord ? Donc si vous êtes, donc les gens vont prier, par exemple on prie pour les gens qui ont mal à la tête, j'en sais rien, et là il y a des gens qui prient là, il y a des gens qui se sont levés, donc il y a des petits groupes qui sont en train de prier, et là vous êtes en train de prier, et puis là vous allez entendre qu'à côté Dieu est en train d'agir, et là votre foi va augmenter, d'accord ? Et donc c'est important de le faire, d'accord ? Ça paraît simple, mais c'est aussi efficace que de mettre sa main dans la poche, que de sourire, tous ces trucs qu'on vous a donné dans le défi guérison, que de prier cette fois, que de garder les yeux ouverts, que de vérifier. Toutes ces petites choses-là qui participent à bâtir un climat de foi dans une salle et qui fait qu'après, quand la foi vraiment augmente, au bout d'un moment, Dieu n'aura plus besoin de passer par nous pour nous dire quoi faire. Il va vous parler à vous. Et vous allez prier les uns pour les autres, et il va y avoir des guérisons sans même que nous, on ait été acteurs. Est-ce que vous voulez voir des miracles ? Vous voulez voir des guérisons ? Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. D'accord ? Donc reste pas sur ta chaise à dire oh, je suis gêné, on m'a pas appelé, j'ai pas la cravate et tout. Non, on n'a pas besoin. Okay ? On a aussi, vous veux vous dire que il y a cette. Bon, pour la plupart, vous l'avez entendu parce qu'on n'arrête pas de le dire, mais pour certains, vous ne l'avez pas encore entendu, donc c'est important. Il y a des fois, Dieu agit, c'est instantané, c'est voilà, on prie, boum, la personne est guérie, c'est fini. Et des fois, c'est progressif. Et ça peut être progressif, genre, la personne, par exemple, la personne a un problème à l'épaule, et puis elle ne peut pas lever son bras du tout. Et là, on prie, puis maintenant, elle peut faire ça. Il y a deux façons de dire. Soit on dit, elle n'est pas guérie, retourne chez toi, et tu as du péché dans ta vie, tu manques de pardon, tu n'as pas assez la foi. Dieu t'a oublié, il y a des gens plus importants, reste, tu vois, ça, c'est, faut pas faire ça. Ou alors on peut dire, ouh, c'est super, parce qu'il y a une amélioration. Et là, on fait comme Jésus a fait quand il a prié pour l'aveugle, qui a prié deux fois pour qu'il soit totalement guéri, et bien on prie encore. Et donc on prie encore. Et à chaque fois, on veut célébrer Dieu pour ce qui se passe. Donc c'est pour ça que quand vous allez voir une amélioration, c'est pas parfait, mais c'est mieux, il y a du mieux. La douleur a baissé, j'arrive à mieux voir, quelque chose se passe, je sens quelque chose se passe. C'est là qu'on dit oui, quelque chose se passe, et là on prie encore, d'accord ? Ne soyez pas dans cette attitude, ouais, mais regarde, je peux faire que ça. Mais ne pensez pas à ce qui n'a pas encore été fait, réjouissez-vous de ce qui se passe, parce que la guérison est en chemin, et Jésus termine ce qu'il commence, d'accord ?
Et on va compter les guérisons. Et c'est ça, on va compter les guérisons. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on veut s'encourager de ce que Dieu est en train de faire. Alors on ne compte pas les personnes guéries, on compte les guérisons. Parce qu'il est possible que vous soyez guéri de plusieurs choses. Peut-être que vous avez un orteil cassé, de l'arthrose dans les genoux, un problème dans les lombaires, un goitre à la thyroïde, et puis un problème de vue, un glaucome. Et Jésus peut vous guérir de tout dans la journée. Donc dans ce cas-là, vous pouvez avoir 5 guérisons. D'accord ? Donc dans ce cas-là, il faudra nous dire... Donc à plusieurs fois, on va faire le compte parce qu'on a besoin, on est des êtres humains, on a besoin de visualiser, on a besoin de se rendre compte de ce que Dieu fait. Donc à plusieurs reprises, on va dire, depuis ce matin qui a été guéri, là, on va compter. Et on va se réjouir de ce que Dieu fait. D'accord ? Et on a besoin de le voir. Là, vous retournez, vous regardez ce que Dieu fait. D'accord ? Mais voilà, on a fait le tour du décorum. Ouais. Et non, peut-être. Oui, parce que là, on parle de guérison, mais on ne va pas faire que la guérison, d'accord ? On va prier pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse agir en vous, que le Saint-Esprit vous commémorera des transferts d'onction, d'accord ? Pour que vous puissiez avoir le feu et les dons spirituels qui se manifestent. Et on va prier aussi pour des délivrances, s'il y en a besoin, d'accord ? Donc du coup, ça va être, vous avez vu, il n'y a pas de groupe de louanges. Ça change un peu, hein ? Ça change, hein ? Donc du coup, parce que voilà, les témoignages sont des louanges aussi. Raconter ce que Dieu fait dans la vie des gens, Dieu a guéri, Dieu a restauré, c'est aussi de la louange. Donc du coup, on va commencer. Du coup, vas-y, je te laisse. Alors, on va prier. Amen. On va prier, parce qu'on est là pour Jésus, on veut prier, ok ? Là maintenant, c'était un petit réchauffage, là, tu vois, un petit réchauffement. Ça se dit pas réchauffage, hein ? Moi, j'ai vécu au Québec. Tu peux inventer des mots au Québec, c'est cool. Tu dis, c'est du québécois et ça passe. Et en plus, là maintenant, les gens parlent créole. Donc là, c'est encore autre chose. Fait que j'ai des filles qui ont commencé l'école au Québec et qui maintenant sont avec le créole. Donc il y a des profs qui disaient, je vais. Et après, enfin bon, là, je ferme la parenthèse, sinon je ferme. On va se lever, et si vous êtes capable de vous lever, et on va prier. On va se tourner vers Jésus. Et on va faire une pré-introduction et... De deuxième prière d'introduction. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager des témoignages. Et tous les gens qui ont dit, voilà, j'ai été guéri ou j'ai vu des guérisons pendant le défi guérison, on aimerait pouvoir écouter des témoignages. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on partage des témoignages, ça célèbre le Seigneur. La Bible dit, louez Dieu pour ses hauts faits. Ses hauts faits. C'est ses exploits, tout ce qu'il fait. Et c'est une des façons de louer, d'adorer Dieu. On peut adorer Dieu en silence, se tenir devant lui. On peut adorer Dieu avec les cymbales, la batterie, le chant. On peut adorer Dieu avec les bannières, avec des cris de joie, en battant des mains, en bondissant de joie. Mais on peut aussi célébrer, raconter ce qu'il fait. Je me souviens, le premier live de guérison que j'ai fait pendant le premier confinement du Covid, là. J'avais toute ma taille, j'essayais là, bref. Et là, j'ai dit, je n'avais pas trop commencé. J'ai dit, bon, j'ai pas de louange, comment je fais, tout ça. J'ai dit, on va raconter des témoignages. J'ai dit, vous allez écrire dans le chat, là, maintenant. Si vous avez déjà été guéri par Jésus de quelque chose, vous allez dire de quoi vous avez été guéri. Et là, dans le chat, ça fait... J'entends la présence de Dieu. C'est comme la gloire de Dieu se manifeste juste. Et c'était juste écrit, les gens ont dit, sciatique, cancer, ceci et cela, embolie pulmonaire, problème d'arthrose, et glaucome. Les gens décrivaient de quoi ils avaient été guéris. Et c'est pas important que c'est moi qui priais, peu importe, c'est pas ça qui est important. D'ailleurs, dans les témoignages, on partage souvent des témoignages de gens qui ont prié pour leurs voisins. C'est parce que c'est la gloire, elle revient à Jésus. D'accord ? Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez encouragés de ce que Dieu fait, pas de nous. Parce que si on vous raconte ce que nous on fait, vous vous êtes attirés à nous. Mais nous, on ne veut pas vous attirer à nous. Notre rôle, c'est de contribuer avec le Saint-Esprit qui vous attire à Jésus. D'accord ? Alors, on va inviter Jésus. Et je veux que vous réfléchissiez. Là, il y en a certains, le Seigneur, déjà votre cœur bat plus fort. Le Saint-Esprit vous dit, il faut que tu viennes témoigner. Là, vous allez faire un témoignage court et on va raconter ce que Jésus a fait et on va prier pour des choses semblables. D'accord ? Donc, après la prière d'introduction, vous venez ici. Là, vous n'attendez pas chacun votre tour, qu'il y en ait un qui vienne. Est-ce que c'est mon tour ? Non, non. Vous faites la file, vous venez et boum, 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 on témoigne. D'accord ? C'est bon, vous êtes prêts ? Ok. Seigneur, on est devant toi et on te bénit. Seigneur, tout ce qu'on vient de dire là, c'est parce qu'on s'attend à ce que tu agisses. Et la raison pour laquelle on s'attend à ce que tu agisses, c'est parce qu'on t'a déjà vu agir. On sait qui tu es. On l'a déjà tellement vu.
et on n'est pas blasé, on n'est pas lassé de te voir agir. Merci Seigneur parce que tu as encore plein de bonnes choses et tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui ont envie. Et tu veux bénir. Et Seigneur, tu es venu les bras chargés de bénédictions, les mains remplies. Et tu ouvres ta main maintenant. Et je prie maintenant que tu viennes déverser dans les cœurs tes bénédictions. Que ton onction coule. Je prie pour la foi. Je prie pour l'audace. Je prie pour des yeux ouverts, des oreilles ouvertes, Seigneur, pour recevoir tes directives. Seigneur, nous ne sommes que des vases. Avec Jérémie, remplis-nous. Assiste-nous. Nous nous attendons à toi. Que ces témoignages prophétisent ta vie. Nous appelons les guérisons, nous déclarons que tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ, qu'elles sont oui, et tous ensemble nous disons amen. Nous disons amen à la volonté de Dieu de guérir. Nous disons amen à la volonté de Dieu de baptiser dans le Saint-Esprit. Nous disons amen à la volonté de Dieu de délivrer. Nous disons amen à la volonté de Dieu d'équiper et de distribuer les dons spirituels. Nous disons amen pour que les yeux et les oreilles spirituelles s'ouvrent et qu'ils puissent entendre ta voix, être dans une autre intimité et être conduits par le Saint-Esprit comme des fils et des filles de Dieu. Nous disons amen à ta volonté. Saint-Esprit, sois-tu le bienvenu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici, maintenant, comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Continuons à louer, à adorer Dieu. Pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, prions en langue maintenant, prions en langue. Accueillons, créons maintenant une atmosphère d'adoration, une atmosphère de gloire maintenant. Viens, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, viens. Viens, viens, plus, plus, plus. Kabla sata la bra ishete de bra 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 sata la bra ishete bra ishete bra 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 sata la bra ishete bra bra shei kabla sata bra ishete bra bra goto bra 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 gati bra koto la bra ishete bra Gloire à Jésus. Alors maintenant, si vous avez un témoignage à raconter, venez ici là, venez ici, raconte le témoignage. Si on peut avoir plusieurs personnes, venez, venez là, vous pouvez vous asseoir. Venez, vous avez été guéri, vous avez vécu une expérience avec Jésus et vous sentez que le Seigneur vous demande de le partager. Gloire à Jésus. Donc vous dites votre prénom, d'où vous venez, on n'a pas besoin de tout votre dossier médical, quel était le problème, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez compris et ensuite on va prier pour vous. Et là, écoutez bien. Parce que ce que vous entendez là, c'est pour vous. Oui, pardon, ça va être ici. Ce que vous allez entendre, c'est saisissez par la foi. Dites, ok, mais Jésus, tu l'as fait pour lui. Parce que ce qui est particulier, c'est que la Bible dit que Jésus a tout accompli, qu'il guérit toute une maladie, que Dieu est tout puissant. Pourtant, régulièrement, on nous envoie des emails. Est-ce que Dieu guérit tel problème? Et la raison, c'est que notre foi, il y a le tout est accompli et notre foi, elle est là. Et quand on entend le témoignage, on dit « Oui, c'est possible. » Et là, d'un seul coup, notre foi passe dans une autre dimension. « Oui, c'est possible. » Vous savez, en ce moment, des fois, il y a des pénuries dans des magasins. À La Réunion, par exemple, tu ne trouves plus de moutarde. C'est fini, la moutarde, c'est fini, il n'y en a plus. Mais là, si tu me dis où il y a de la moutarde, là, je vais prendre la voiture, je vais y aller. Je vais mettre ma foi en action parce que je sais que je vais en trouver. D'accord ? Mais je ne vais pas faire le tour de tous les magasins juste pour le plaisir. D'accord ? J'ai besoin de savoir où il y en a. Et c'est là que je vais me mettre en mouvement. Si vous avez la moutarde dans votre coffre, ça m'intéresse. Et... Ouais, non mais ramenez pas 10 kilos de moutarde. Hein. C'était une boutade, d'accord ? C'est juste un petit bagage. Mais dès que c'est ça, donc ça va aider votre foi. Ok ? Et ça, il est possible. Moi, je m'attends. Il y a des gens là, vous allez entendre certains témoignages. Et vous allez être guéri juste en entendant les témoignages sans qu'on ait besoin de prier.
D'accord ? Donc si vous avez mal quelque part, cherchez votre douleur un petit peu. Est-ce qu'elle est bien là ? Si les gens, vous avez mal quelque part là ? Ok, vous avez des problèmes. Le problème est toujours là, vous êtes arrivé avec. Ok. Jean-Claude, c'est parti. Viens ici, je vais tenir le micro. D'accord ? Comme ça, c'est plus facile. Comme ça, voilà, comme ça, tout le monde te voit. Alors Jean-Claude, tu viens de Suisse, ça je le savais déjà, tout près de Belfort. Alors, c'est quoi ton témoignage ? Alors, c'est concernant Chantal, c'est le premier, je vais m'en souvenir toute ma vie, c'est arrivé le 5 juin. C'était une amie d'école que je n'avais pas vue depuis 5 ans, et puis elle avait ce qu'on appelle ça, une sciatique. Et puis elle me dit, écoute, salut Jean-Claude, voilà, j'ai prié le Saint-Esprit ce matin, j'ai des douleurs, c'est pas possible, j'arrive plus à soulever une chaise, j'arrive plus à m'occuper de mes petits-enfants. Est-ce que tu veux prier pour moi ? J'ai prié pour elle et puis elle a été guérie instantanément au nom de Jésus. Alors toute la gloire à Jésus, moi j'y suis pour rien, toute la gloire à Jésus, vraiment. C'était magnifique. Et ensuite cette personne, elle a pris la chaise, elle a porté la chaise, elle a dit voilà, ben, ça marche. Et puis elle a porté la chaise, enfin c'était fort quoi. Elle a dit je vais pouvoir m'occuper de mes petits-enfants à nouveau. Et je l'ai revue il y a peut-être un mois. Donc ça veut dire, je l'ai vue 6 mois après. Je lui ai dit comment ça va. Elle m'a dit toujours impeccable. Elle m'a dit j'ai encore plus la pêche. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut être un peu excité ici? Notre Dieu est vivant, il est glorieux. Alléluia. Maintenant tous ceux qui ont une sciatique, vous allez vous lever maintenant si vous en êtes capable. Tous les gens qui ont une sciatique, vous avez un problème de sciatique. On va prier pour vous maintenant. Gloire à Jésus. Ou levez la main hein, si vous êtes ou là si pour vous êtes assis, vous avez, ouais, tu lèves la main, c'est déjà debout. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, tous les gens qui sont autour, alors quand on prie, à moins que ce soit votre conjoint, on vous demande de prier homme avec homme, femme avec femme, pour que tout le monde soit à l'aise, d'accord ? Si vous êtes à l'aise, juste mettez votre main sur la sciatique, là où vous avez mal, d'accord ? Et les gens qui sont autour, vous mettez votre main sur la main de la personne. Et on va faire une prière tous ensemble. Là, c'est le temps de bouger, hein ? Là, il y a des gens qui sont debout et les autres, ils regardent, ils attendent. Il ne faut pas être spectateur, là. Si tu veux voir un miracle, il faut que tu te bouges. Il faut sortir de la barque. Hein. Alors, si vous étiez debout parce que vous aviez la sciatique et que personne n'est encore venu prier pour vous, levez la main qu'on puisse vous identifier. Est-ce qu'il y a des gens là qui ont besoin de prière et que personne n'est en train de leur imposer les mains ? Non ? C'est bon ? Il y a une personne là-bas qui est toute seule. Voilà, là-bas. Est-ce qu'on a des gens qui peuvent se déplacer ? Il faut vous déplacer. Hein. C'est pas une journée où tu dors sur ta chaise, là. Hein. Ok. Gloire à Jésus. Et maintenant, nous allons demander à Jean-Claude de la Suisse de prier au nom de Jésus. Et on va s'associer à sa prière. Alors, Père, au nom de Jésus, je viens chercher la guérison et l'absence de douleur pour toutes les personnes qui ont la sciatique. Et j'ordonne à cette sciatique de quitter tous les corps au nom de Jésus. Je bénis tous ces corps au nom de Jésus. Douleur sciatique, vous quittez ces corps au nom de Jésus. C'est un ordre, vous quittez ces corps maintenant même au nom de Jésus. J'appelle à l'existence au nom de Jésus la santé divine et que ces sciatiques soient, que ces corps soient libérés de la sciatique au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais continuer à prier. Restons dans cette attitude de prière. Je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus contre tout esprit d'infirmité maintenant qui crée des problèmes de sciatique. Dans le nom de Jésus, je vous lis maintenant et je vous ordonne de lâcher prise maintenant. 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 Vous lâchez prise maintenant. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Maintenant. Maintenant. C'est terminé maintenant. C'est terminé. Douleur, dysfonctionnement. Sciatique, tu quittes maintenant les corps dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors qu'on reste dans une attitude de prière, est-ce que vous pouvez juste tester un petit peu ce qui se passe ? Et puis, comme on vous l'a dit, s'il y a quelque chose qui est un peu mieux, levez une main. Testez, ou si deux mains, testez, vérifiez. Vous bougez vos mains, mettez à genoux, faites les tests que vous avez besoin. Cherchez la douleur. Okay. Si la douleur a diminué, levez une main. Okay. La douleur a diminué et il y en a encore. Alors il faut prier encore. Continuez à prier. Est-ce Dieu est en train d'agir. Personnes qui ont expérimenté quelque chose ici, oui. Okay. Des fourmis dans le pied. On a prié pour la sciatique et ça a descendu dans le pied. Ici, là, il n'y a plus rien. Gloire à Jésus. Viens ici.
Tu veux que je te fasse témoigner? Quoi? Tu veux faire comment là? Je sais pas. Ah ouais, on est sur la sciatique, ok? Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'est disparu complètement? Complètement? Tu rien aussi? Viens. Tu peux venir. Ouais, c'est Marc-André, c'est ça. Hein. Est-ce que il y a des personnes? Vous avez senti quelque chose? C'est encore là, mais vous avez senti quelque chose. Tu y a toi là, une, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes. Ok. Donc Dieu est là, Dieu est en train d'agir, ok? Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez soi? On prie encore, ok? Alors voilà, la chaleur de Dieu sur toi. On va juste écouter les témoignages. Vas-y, fais-le. Vous êtes en âge, venez. Alors, pendant quand vous écoutez le témoignage, continuez de mettre votre main dessus là, les gens qui sont autour, et vous bénissez la personne, vous bénissez ce que Dieu fait, vous priez pour plus. On va gagner du temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez, ça fait combien de temps que vous avez ce problème? Oh, ça fait 6 mois. 6 mois, la douleur de genoux, cuisse, jusqu'à la hanche, derrière, j'étais bloquée, je ne pouvais pas bouger, tourner, même pencher les genoux, là je vois que j'y arrive et c'est génial quoi, Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Gloire à Jésus, amen. Gloire à Jésus, alléluia, toute la gloire revient à Jésus. Amen. Seigneur, tu l'as béni, est-ce qu'on peut bénir ce que Dieu fait? Seigneur, tu l'as béni maintenant, tu envoies ton feu sur elle, maintenant même, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Marc-André, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu avais? J'ai senti une chaleur au niveau de ma hanche et au niveau de ma jambe jusqu'à la plante de mes pieds. Ça faisait combien de temps, ça? Ça fait plus de 2 ans, j'ai mal comme ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? On a prié pour toi. Parce que du coup, j'ai senti la chaleur de ma hanche et je tremblais aussi, hein, je pense. C'est le feu, oui. Ce qui fait qu'après, je n'ai plus rien senti. Et du coup, là, vas-y, est-ce que tu fais quelque chose que tu ne voulais pas faire? Voilà, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Donc là maintenant on prie encore. Là on a prié une fois. Hein. Ouais, c'est Jean-Claude, l'homme de Dieu, qui a prié. On va prier une deuxième fois, d'accord? Mais cette fois-ci c'est vous qui priez, ok? Vous allez faire une prière courte. Vous parlez à la douleur. Vous lui commandez de partir. Vous bénissez la sciatique, enfin le nerf, au nom de Jésus. D'accord? Honnêtement, pour ceux et celles qui n'ont jamais vu de guérison, c'est un petit peu le moment d'aller prier pour les gens. D'accord? Parce qu'on commence, on a jusqu'à ce soir, je peux vous dire qu'il va y avoir des guérisons. Donc allez-y, allez prier pour les gens, là, d'accord? Soyez pas spectateurs, d'accord? Mais acteurs de ce moment, d'accord? Dieu veut vous utiliser. Ok? Allez, c'est parti, allez-y, priez. Allez, priez. Déclarez. Priez, vous vérifiez, vous priez, vous vérifiez. Vous avez autorité, d'accord? Demandez pas à Jésus de venir guérir. Il vous a dit, guérissez les malades. Vous avez autorité, donc prenez autorité sur la maladie, déclarez la santé divine, allez-y. Seigneur, nous bénissons les genoux, nous bénissons, Seigneur, chaque partie du corps, nous ordonnons à sciatique de quitter maintenant même, dans le nom de Jésus, plus aucune douleur, aucun dysfonctionnement. Maintenant, déclarons la guérison. Alléluia. Seigneur, on bénit ce que tu fais. Arrêtez de prier, vérifiez maintenant. Ok, alors, commencez. Ici, là. Levez la main pour ceux qui... Levez la main pour qu'on sache. Si vous avez une amélioration, levez la main. Oui. Plusieurs personnes, 4 personnes ici, une amélioration. Ici okay. aussi, une amélioration. Okay. Si c'est guéri à 100%, 80% ou plus, vous levez les deux mains. Tu peux Gloire venir à Jésus, viens ici. Vous aussi, il n'y a plus rien? Alors venez ici. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui en ont encore? Qui a encore besoin de prière? Ça reste encore là. Tu veux que j'aille prier? Ouais, mais on va les faire prier encore. Venez ici, les gens qui ne restent plus rien là. Venez ici. Il y a un escalier aussi ici sur le côté. Vous venez ici. Eux, ils vont raconter d'autres témoignages pour d'autres sujets de prière. Là, on est sur la sciatique. Ok. Donc, vas-y. Ton prénom? Suzanne. Et donc, depuis combien de temps tu avais ce problème de sciatique? Des années. Genre quoi, plus de 5 ans? Oui. Plus de 10 ans? Oui. Plus de 10 ans, ok. Et ce matin, je me suis cassé la figure dans les escaliers parce que j'arrivais pas à lever les jambes. Là, nickel. Gloire à Jésus! Alléluia, plus de 10 ans! Alléluia! Ça fait 3! 3. On est à 3 là. Ouais, il faut compter. Ouais, qui compte? Ton prénom? Aurélie. Et tu viens d'où? Tu viens d'Avignon. Ok. En fait, c'est l'accouchement de mes jumeaux.
sur le bassin, ça m'a causé des pincements sur le lombaire et ça a créé des sciatiques. Donc en fait, ça fait 4 ans. Voilà. Et il y a des fois, je suis bloquée totalement. Je ne peux plus me relever, plus porter mes enfants. Et voilà. Et donc, on a prié pour toi. Ils ont prié pour toi là-bas. Il y a le feu là-bas. Hein. Ils ont prié pour toi. Et donc, la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, c'est-à-dire que je suis venue, je voulais prendre une bouillotte. Elle est restée dans mon micro-ondes. Je l'ai oubliée. Et je me suis dit, en fait, si ça se trouve, Dieu va me guérir de ça. Et quand tu as commencé à prier avec Jérémy ici, j'ai senti la pointe qui arrivait. Au moment où vous mettiez l'atmosphère, j'ai senti la pointe. J'ai dit, ah oui, c'est là, en fait. Et puis après, ils ont commencé à prier. Et la douleur, en fait, là, ça s'est réveillé. Alors que j'avais pas, c'était pas descendu, ça s'est réveillé. Et puis après, j'ai la jambe qui a tremblé un peu, puis plus rien. En fait, là, et j'ai... Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. On va prier pour toutes les femmes qui ont des séquelles d'accouchement. Vous avez accouché, vous avez eu des séquelles, vous avez peut-être une descente d'organes, vous avez eu tout ce qu'on peut avoir dans des accouchements. Vous avez eu un problème, vous avez des séquelles d'accouchement. Si c'est vous là, vous êtes une femme, vous avez eu des séquelles d'accouchement, levez-vous, levez la main, on va prier pour vous maintenant. Ok. Les gens, est-ce qu'on peut avoir du monde autour qui vienne leur imposer les mains, s'il vous plaît? Levez la main si ça vous concerne et regardez. Oui, on peut prier aussi pour les enfants. Si l'enfant aussi a subi, je ne sais pas, vous avez eu des forceps, l'enfant a eu le crâne déformé, ou il a été abîmé, ou il y a le cordon autour du cou, il y a eu des séquelles en rapport avec l'accouchement, d'accord? Ok. Est-ce que tu peux revenir? Tu vas prier. Mais oui. C'est Nathalie, c'est ça? Aurélie, j'avais la faim. Gloire à Jésus. Nous ne supplions pas Dieu d'agir, il veut agir. Nous ne lui ordonnons pas d'agir, il veut agir. Nous n'essayons pas de le convaincre d'avoir pitié, de l'apitoyer, il a déjà compassion. C'est déjà disponible. Nous disons Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous bénissons la personne. Alors tu as prié pour toutes ces femmes qui ont des problèmes, qui ont eu des séquelles d'accouchement, selon ce que Jésus te conduit. Seigneur mon Dieu, merci pour ces dames qui se sont levées. Merci pour la vie que tu as fait passer dans leur corps. Merci Jésus d'intervenir maintenant par ton Saint-Esprit, de venir, de guérir ce qui a été déchiré, ce qui a été tordu, ce qui a été trop ouvert, Seigneur. Mais je te demande de recréer les chemins comme il les faut, Seigneur. Je prie pour tout ce qui a été relâché aussi. Je te prie pour que les choses redeviennent fermes. En toi, Seigneur, merci, nous croyons et nous prions et nous relâchons la guérison sur toutes ces femmes maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, on prie pour le périnée, on prie pour le bassin, tous les nerfs, on prie pour les séquelles, s'il y a eu des séquelles hormonales, on bénit l'utérus, la vessie, on prie pour les séquelles d'épisiotomie, les séquelles de césarienne maintenant. Au nom de Jésus, on bénit tous les muscles, on déclare la paix, la force maintenant. Et Seigneur, on prie pour celles peut-être qui se disaient, mais si j'ai un autre enfant, qu'est-ce qui va m'arriver? Et on prie maintenant que ce soit rendu possible. On bénit maintenant ces personnes au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai une maman, à un moment j'ai prié pour une personne qui avait une descente d'organes pendant que je priais et j'ai vu comme une poulie. Alors j'ai tiré la poulie pour remonter et après c'était quand elle a fait les tests, c'était remonté quoi. Il n'y avait plus besoin de descente d'organes. Donc Jésus le fait aussi, d'accord? Ok, là c'est peut-être pas quelque chose que vous pourrez vérifier sur le champ. Merci beaucoup Aurélie. Vas-y, venez ici. Ouais. Votre prénom c'est Patricia. Patricia. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Ben, ça faisait combien de temps déjà que vous aviez la sciatique? Ça remonte, faut bien 10 ans. Hein. Plus de 10 ans? Est-ce qu'on... Ouais. Ah ça, vous m'entendez mieux là. C'était le micro, c'était pas moi. Hein. Donc du coup Patricia, donc ça faisait combien de temps la sciatique? Bien 10 ans, mais c'était pas toujours. Mais rien que de venir en voiture, c'est une douleur dans la jambe, vraiment atroce. Donc voilà, merci. Donc on vous a prié pour vous, vous étiez ici, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai commencé à avoir des fourmillements, et là, je bouge. Plus de douleur? De douleur. D'accord. Et là, vous pouvez faire un mouvement que vous ne pouviez pas faire? Amen, merci Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Amen. 5. Ça fait 5. Ah, il faut. Eh, mais je vais oublier, moi, à un moment donné, de compter, là. Ça fait 5. OK.
Pour ceux qui ont des papiers, là, vous pouvez marquer les. ça va être plus facile pour nous. Ensuite, on était toujours sur les sciatiques. On est passé sur autre chose, là. Ah, ici, c'est déjà guéri. Alléluia, on continue. Viens. On ne se lasse pas d'entendre ce que Dieu fait. Alors, pour ceux qui... Excusez-moi, il y a un escalier ici, pour ceux qui veulent, d'accord? Là, t'es tellement guéri, maintenant, les gens montent comme ça, là. Mais je vous dis quand même, il y a un escalier, ok? Alors, viens ici. Donc, ça faisait... Ton prénom, c'est ? Flavie. Ça faisait combien de temps que tu avais cette douleur ? Oh là là, je ne sais plus le nombre d'années. C'est séquelles d'accident de travail, parce que j'étais soignante, donc à force de manipuler. Donc, le dos, c'était pas tout le temps, comme a dit la dame tout à l'heure. Ça revient de temps en temps. Et là, récemment, mais ça a repris. Donc, dans un premier temps, j'ai senti la chaleur dans le dos, mais... Ça, c'est comme si ça avait bougé et au niveau de la cheville, j'avais quelque chose qui me faisait mal à la cheville. Là, c'est passé. Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. On va prier pour tous les gens qui ont des séquelles d'accident. Usure au travail, arthrose, vous avez eu un accident de travail, un accident de la route, les tendinites qui sont reliées au travail, d'accord? Parce que votre corps a été malmené ou abusé ou exploité ou pousser en dehors de ses limites. Alors si c'est vous, levez-vous maintenant. Levez votre main, qu'on puisse vous identifier et qu'on puisse prier pour vous. Okay. D'accord? Donc séquelles de travail, d'accident de travail, accident de la route, tendinite. Donc levez-vous, levez la main. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est approché de vous pour prier, vous gardez la main levée, d'accord? De toute façon, on peut vous identifier. Si vous êtes assis, c'est le temps de trouver quelqu'un pour aller prier. D'accord? Ok. Il y a un monsieur là, au milieu qui est debout, là, il n'y a personne à côté de lui qui prie là. S'il y a quelqu'un qui prie pour... Voilà, ah, c'est le papa de Jérémy. Feu, merci Jésus. Alors si vous avez été guéri, là maintenant vous n'êtes pas en RTT, d'accord? Au contraire, vous allez prier pour les autres, parce que vous savez encore plus que c'est vrai, vous venez de le vivre. Trop de témoignages. Donc, vas-y prie. Ok, vous alors, ouais, répétez après moi, d'accord? Ma prière n'est pas... Alors on va prier ensemble, d'accord? Priez avec moi, on prie ensemble, d'accord? Ne soyez pas juste, entendez pas juste ma prière, on prie ensemble. Je prie avec vous, on prie ensemble, on a le même Saint-Esprit. Nous appelons maintenant la santé divine à se manifester dans les corps, dans le nom de Jésus. Nous déclarons que ce corps, que ces corps malades appartiennent à Jésus, que c'est le temple du Saint-Esprit et que la maladie n'a aucun droit dans le temple du Saint-Esprit. Les douleurs, les dysfonctionnements n'ont pas de droit dans le temple du Saint-Esprit. Et nous ordonnons à la maladie, aux dysfonctionnements, aux douleurs, de quitter les corps maintenant même dans le nom de Jésus. Bénissez les corps maintenant. Bénissez les corps, appelez la santé divine, maintenant même, appelez la vie de Dieu. Le tout est accompli de Jésus à se manifester maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Vérifiez maintenant. Bougez, faites un mouvement que vous ne pouviez pas faire. Et puis, s'il y a une amélioration, levez une main. Et si vous êtes guéri à plus de 80%, levez les deux mains. Ok. Il y a une amélioration ici, là. Continuez à prier. Il y a une main qui se lève. Il y a d'autres mains qui se lèvent. Continuez à prier. Appelez. Continuez. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Continuez à bénir. Continuez à prier. Amen. Bénissez ce que Dieu fait. Amen. Il dit, vous guérissez les malades. Alors, appelez maintenant. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Déclarez. Vous avez autorité. N'oubliez pas, vous avez autorité. Donc, parlez à la maladie. Parlez aux douleurs, parlez aux dysfonctionnements. Ne demandez pas à Dieu de venir. Il vous a donné la responsabilité de le faire. Vous avez autorité. Donc parlez à la maladie, parlez à la douleur. Si c'est un problème au niveau de la nuque, là comme je vois ici, dites problème à la nuque. Tu quittes maintenant ce corps. J'ordonne à ces douleurs au niveau de la nuque de disparaître maintenant même dans le nom de Jésus. Parlez à la maladie. Alléluia. Amen. Mais vérifiez, revérifiez maintenant. Alors,
Donc ce qui est important là, vous allez donc si c'est mieux, vous sentez une amélioration, vous faites une main. Si c'est mieux à 80%, vous levez les deux mains et vous venez ici sur le devant, ok? Et si vous êtes autour de quelqu'un et que vous avez pris, que la personne elle vous dit c'est mieux, j'ai plus rien, vous applaudissez, d'accord? Qu'on sache ce qui se passe. Gloire à Jésus. Ok, donc si, là, les gens qui sont garés à 80% en plus, vous pouvez venir ici. Alors ici on a, donc Jean-Claude est allé prier pour notre amie ici, ils étaient en train de prier pour elle. Et vous aviez eu, venez ici. Vous avez eu un accident, c'est ça? Oui, j'ai eu un accident et suite à cet accident, ben, j'ai eu mal au dos. Et... Ça faisait un an et demi, c'est ça? Oui, ça faisait un an et demi. Donc voilà, pour moi, j'avais un air de coincé parce que j'avais eu ça par le gendre à Jean-Luc Trunchel. Et j'en suis restée là. Et donc tu me expliquais tout à l'heure, je fais un petit résumé. Donc ils sont venus prier pour toi. La première fois que vous avez prié, bah, tu peux venir. Vous avez prié, il semblait rien se passer. Et là tu as expliqué, tu as eu un accident avec un nerf coincé. Et donc vous avez prié du coup spécifiquement, c'est ça? Oui, c'est ça. Jean-Luc il a décoincé le nerf, hein, vraiment. Et moi j'ai senti qu'il fallait annuler les conséquences de l'accident. Donc j'ai dit au Seigneur, tu reviens au moment de l'accident et tu annules cet accident, qu'il n'y ait plus aucune conséquence de cet accident. Et voilà. Et alors après il s'est passé quoi? J'avais encore mal, donc ils ont continué de prier jusqu'au moment où j'ai pu bouger et puis pu sentir cette douleur. Ouais. Gloire à Jésus! Alléluia! Gloire à Jésus! Merci beaucoup. Alors, votre prénom? Gilles. Alors, vous venez de quel endroit? D'Alès. D'Alès. Alors, quel était le problème? Suite à un accident de voiture, j'ai une fracture du cotyle. C'est où ça, le cotyle? Là, derrière. Syndrome du tableau de bord. Voilà, tout a cassé, et bon, ça fait déjà, je sais pas, une quinzaine d'années, et quand il fait un peu un temps comme aujourd'hui, j'ai mal. 32. 32 ans. Début de notre mariage. Wow. Début de mariage. Voilà. Alors en fait, quand je me mets accroupi, en général, je peux pas me relever, je suis obligé de m'asseoir pour pouvoir me relever, alors que là... 32 ans. 32 ans. Voilà. Je sens que c'est chaud là quand même. Mais bon, après, il faudra voir, mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Ouais, donc, Ça fait 32 ans. Gloire à Jésus. Des fois, on se dit, oh, mais Jésus m'a oublié. Alléluia, merci. Merci beaucoup. Jésus m'a oublié, mais ce n'est pas important parce que ça on peut vivre sans se relever à genoux. On peut vivre sans. Des fois, je dis, oui, mais Dieu, il y a des trucs plus importants à gérer. Il y a des tremblements de terre en Turquie, il y a la guerre en Ukraine, il y a ci, il y a ça. Moi, j'ai un petit bobo, je peux vivre avec, je me suis habitué, c'est ma douleur. Mais non, la raison pour laquelle Jésus nous guérit, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime, point. Vous voulez le meilleur pour vos enfants? Eh bien, Jésus, c'est pareil. Sauf que c'est mieux parce qu'il est encore meilleur que vous. Et il peut faire des choses que vous ne pouvez pas faire pour vos propres enfants. Et vous dites, ah, si j'avais l'argent, si j'avais ci, je ferais ça pour mes enfants. Mais Dieu peut le faire. D'accord? Ok. Venez. Alors, votre prénom, c'est? Roger. Roger, alors qu'est-ce qu'il y avait exactement? J'avais une tendinite à l'épaule suite à un déménagement de la Côte d'Azur sur la Normandie. Et c'était depuis le mois de mai. Et ça, qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire? Vous pouviez pas... C'est-à-dire que je ne pouvais pas relever le bras, comme ça. Amen. Est-ce qu'il y a encore des douleurs? Il n'y a plus de douleurs? Non, il n'y a plus rien. Amen. Amen. Merci pour votre témoignage. Merci. Amen. Dieu est puissant. D'accord? Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Amen. Comment? Ben, en fait, là, c'est... Ok. Mais là, c'est d'autres personnes pour d'autres choses. Comment on fait? Ouais, on y va? Alors, on y va. D'autres personnes qui lèvent la main. Viens, venez, là, la première personne. Enfin, je vais me décaler. Alors, votre prénom, c'est? Delphine. Delphine, alors, tu avais quoi exactement? C'est pas pour ma guérison, c'était pour la suite du témoignage. Est-ce que je... Oui, bah oui, on peut. Vas-y. Donc, j'étais allée à Colmar. Je viens de l'Alsace. Et j'étais partie sur Colmar avec une copine pour chercher des béquilles. Des gens qui avaient des problèmes. Et on a rencontré une jeune qui avait des ligaments croisés sectionnés et qui devait se faire opérer en novembre. Et elle acceptait la prière très facilement. Et je m'attendais à ce qu'elle a prié plusieurs fois.
je l'ai prévenue et en fait j'ai pris une fois et puis elle a été guérie, mais je m'en rendais pas compte. Elle parlait à sa copine, elle disait j'ai plus mal. Et je lève la tête, je dis pardon, du genre écoute, je prie, s'il te plaît, laisse-moi finir. J'avais pas fini, elle était déjà guérie. Alors elle m'a enjambée, elle est passée dessus et puis elle dit mais j'ai plus mal. Ah si, j'ai encore un petit truc ici. Alors je dis, j'étais étonnée. Alors je dis, bah, viens, on marche. Et elle me dit, là j'ai mal, et encore un peu là. Et alors je dis, bah, au nom de Jésus, douleur, tu pars. Ah bah c'est bon, c'est parti, merci. Et elle est partie avec ses béquilles, comme ça, je l'ai prise en photo de loin. Et mon amie me dit, mais moi aussi j'ai mal au genou, mon amie chrétienne, tu peux prier pour moi? Et alors j'ai prié pour elle, et il n'y a rien eu. Et là j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres, je veux progresser là-dessus. Je veux, quel est l'outil dans la boîte à outils que je dois, là j'ai pris le tournevis, là c'est peut-être le marteau, qu'est-ce que je dois prendre, et je veux progresser là-dessus parce que je sais que Dieu veut guérir tout le monde. Et c'est ça aussi ma prière pour ici, grandir, pour comprendre, parce que des fois on ne comprend pas. Amen. Mais merci en tout cas, merci. Ligaments croisés, donc on va prier pour ça, on va prier pour ça, problème de genou. Moi je m'en souviens, j'avais fait un... J'avais aussi les ligaments croisés en mauvais état et je pouvais plus. J'avais une attelle de là à là et puis je suis rentré chez moi. Voilà, je jouais rarement au foot. Et le seul moment où je vais jouer, je me fais les ligaments et je l'enlève. Je peux même plus plier. C'est affreux. Hein, on peut plus plier. Je vais voir un spécialiste du genou. Ils me disent bah là c'est les ligaments croisés, rien à faire. Et je m'en souviens, je priais. Puis j'avais comme une image où je voyais deux fils qui étaient comme coupés, voilà, en fait, qui ne se touchaient pas. Et je m'en souviens, j'avais tout ça dans ma chambre. Je disais maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que ces ligaments sont réparés. Et j'ai prophétiquement pris les deux fils et je les ai collés. Et je dis maintenant, c'est terminé et je suis totalement guéri. Et la seconde qui a suivi, j'ai retrouvé mon mouvement. C'était terminé. Donc c'était juste... Vous pouvez même prier pour vous-même, voyez. Et je suis parti voir faire une IRM et ils ont passé à des néo-ligaments. Ils m'ont dit, écoutez monsieur, vos ligaments se sont recollés. Et puis une semaine plus tard, je suis parti faire du snow. C'était juste trop content. Ok. Donc pour ceux qui ont des problèmes de ligaments croisés ou des problèmes de genoux, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Ligaments croisés, d'accord, problème de ligaments croisés ou genoux. Ou levez plutôt la main, ça sera plus simple. Levez la main et pour tous ceux et celles qui veulent voir des guérisons, allez prier. Ok. Donc là, il y en a ici, il y en a plusieurs personnes, 1, 2, 3, 4, 5 personnes ici. Au milieu, il n'y en a pas, problème de genoux, ligaments croisés. Il y a une personne là-bas. Donc attendez-vous à être guéri, parce qu'il va y avoir des guérisons là, au niveau des genoux et ligaments croisés. Et comme vous l'avez entendu dans Jérémie le dire et la personne qui vient de parler juste avant, on exerce l'autorité que Jésus nous a donnée. C'est une autorité déléguée, d'accord ? On exerce, on parle à la douleur, on parle au corps et on lui commande de se remettre. Amen. D'accord ? Tu es connu la prière ? Comment ? Tu veux que je prie ? Ouais. Ok. Alors, on va prier ensemble, d'accord ? N'oubliez pas, vous avez reçu, vous avez autorité, vous déclarez la guérison. Maintenant, Seigneur, je nous ordonne à tout problème de genoux, ligaments croisés, maintenant de se reconstituer dans le nom de Jésus. Nous prions pour une onction des miracles maintenant qui se manifeste au niveau des genoux, dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute douleur, à tout dysfonctionnement de quitter les genoux, maintenant même dans le nom de Jésus. Je prie maintenant aussi contre toute attaque spirituelle. J'enlève maintenant tout ce que l'ennemi a causé dans les genoux. J'annule maintenant ces choses dans le nom de Jésus. Maintenant. J'appelle et je libère maintenant la guérison divine sur les genoux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, testez et vérifiez, s'il vous plaît. Testez, vérifiez. Tu vois, regarde, c'est pour ça que j'ai pris là-bas. Vérifiez maintenant. Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit est en train d'agir. C'est pour elle que je priais là, derrière. Pour les attaques démoniaques, là, c'est. Vous inquiétez pas, le Saint-Esprit est en train de s'en occuper. Il y avait quelque chose autour de son genou dans le monde spirituel. Alors, on a défait ça, c'est bon. Ça, elle va être guérie. Qu'est-ce que ça donne, les tendons, les ligaments? Vérifiez. Est-ce que vous sentez une amélioration? Levez la main, une main s'il y a une amélioration. Là, il y a une amélioration, madame. Ok. On va prier encore, c'est pas encore ça? Continue à prier pour elle. Il y en a encore, on va prier amélioration. Pour vous encore. Amélioration. Ok. On va continuer à prier. Plus rien? Ça va venir, ok. Ok.
Ok, on prie encore alors. On continue à prier. Seigneur, on te donne toute la gloire. On bénit ce que tu es en train de faire et on te dit merci d'avance pour ce que tu es en train de faire, pour les nouveaux ligaments. On prie maintenant que les nouveaux ligaments soient ressoudés maintenant. On te donne toute la gloire et on t'exalte. Que les douleurs des genoux cessent. Nous bénissons les genoux. Tu as fermé les genoux chancelants maintenant au nom de Jésus. Et nous te donnons toute la gloire. Nous t'exaltons, Seigneur. Plus, plus, plus. Au nom de Jésus, sois glorifié, Seigneur. On appelle la mobilité, on appelle la force. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, Amen. Jésus. Ok, on vérifie maintenant. Pour les témoignages, c'est vraiment à plus de 80%. Si c'est une amélioration, continue à prier. Continue à prier. On continue de prier, mais en même temps, on a un témoignage ici, toujours sur les sciatiques. Et on remercie Dieu pour ce qu'il fait déjà. Donc, ton prénom, c'est ? Jean-Fred. Et donc, depuis combien de temps tu avais cette sciatique ? Là, ça fait au moins 3 mois. 3 mois. Donc, c'était des deux côtés, tu m'expliquais. Et donc, ça, quand on a prié, il y a un côté qui a commencé par partir. Ouais. Ça a commencé du côté droit déjà, quasiment instantanément. Et ensuite, le groupe a continué à prier. Et au bout de 4 ou 5 fois, là, cette fois-ci, c'est bon, du côté gauche aussi. Voilà. Gloire à Jésus. Donc là, ça compte pour 2, là. Ah. On est à combien, là ? On est à combien ? 7 ? Pour ceux qui comptent, on est à 10, c'est 10, ça 10, on est à 10. 10. Et il est 10h30. Ok, et donc, et aussi tu disais que tu avais prié pour une collègue. Ouais. En fait, j'ai prié pour une de mes secrétaires qui elle a contracté la Covid. Elle a perdu la voix pendant 3 mois. Elle n'avait plus de voix, les cordes vocales ne répondaient plus. Et les médecins spécialistes ont dit que ça risquait d'être très très long. Et avec mon épouse qui est là présente, on l'a invitée à la maison. On a prié pour elle donc l'après-midi. Et en fin d'après-midi, elle a retrouvé complètement la voix. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. On va prier pour tous les gens. Il y a des gens ici, vous avez on est sur la sciatique là, mais on ne lâche pas le morceau. Ils avaient un problème ici vraiment du côté droit là. C'est encore présent là. Et là... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on prie, Dieu agit, et les gens se disent, ah ok, bon bah c'était lui, en gros la loterie est tombée, c'était lui le numéro gagnant. Non, c'est pas une affaire de numéro gagnant, d'accord? Donc la rivière est là, tout le monde peut sauter dedans, il y a de l'eau pour tout le monde, ok? Donc il y a des gens encore, vous avez encore un problème de sciatique, et vous vous dites, mais ouais, bon peut-être pour moi ce sera une autre fois. Non, Dieu veut agir, vous avez un problème du côté droit, c'est ici là, et Dieu veut vous toucher maintenant. Ok. Alors attends. Ouais, à gauche, à droite, c'est pareil. Attends, je vais faire ça. Ensuite, on prie pour les séquelles du Covid. Ouais, on a le témoignage, c'est bon. Et ensuite. Donc, à droite, ici, là. Bon, là-bas, c'est mieux, les genoux. Alléluia, la délivrance. Dieu est bon. Ça a l'air d'être pas mal mieux. Vous allez venir témoigner. Ok, donc ici, là. Tous les gens qui ont un problème ici, là, vous mettez votre main, on prie maintenant. Ouais. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire et nous t'exaltons. Et Seigneur, j'enlève cette douleur, cette pression maintenant des hanches. Je déclare ton shalom et ta paix maintenant, que les nerfs se débloquent, que les os du bassin, les vertèbres, toutes les lombaires se relâchent, que tout reprenne sa place. Je bénis les disques, je bénis les muscles. Ton règne vienne. Merci pour cette chaleur qui vient maintenant. Amen. Merci parce que la douleur s'en va. L'inflammation cesse. Je prie pour ta pluie bienfaisante qui vient rafraîchir la douleur. L'épuisement de cette douleur constante cesse maintenant. Je déclare la liberté. J'annule toute œuvre de l'ennemi maintenant. Tous ceux qui ont comme des poignards plantés là, dans cet endroit-là maintenant, je les enlève, je les retourne d'où ils viennent maintenant, j'annule toute œuvre de l'ennemi, s'il y avait du poison, j'annule l'effet de ce poison, je déclare la paix, shalom de Dieu. Merci Jésus. Amen, vérifiez, je pense que c'est parti là. Oui, alors viens ici, il va te témoigner, Jérémy va te faire témoigner. Commencez ici, vérifiez là, qu'est-ce qui se passe? C'est plus mal, viens ici. Alléluia, quelqu'un d'autre? Acclamez Dieu, acclamez, merci. Super, alors, on t'écoute.
C'était quoi le problème depuis combien de temps? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Ça veut dire que j'avais une entreprise maçonnerie, je travaillais beaucoup dans le bâtiment, donc tout mon corps a été usé. Et là, j'ai toutes les lombaires qui beaucoup de douleurs. Et entre la L1 et la L5, j'avais pratiquement plus de disques. Et donc, même les médecins me disaient que ces vertèbres allaient se coller, mais ils ne sont pas encore collés. Et puis, j'avais cette pointe-là. C'est-à-dire que c'est une vertèbre qui sort des fois légèrement, et des fois, elle se remet en place, des fois, elle ressort. Et quand elle sort, elle me fait comme une pointe, un couteau, quoi. Et là, lorsque tu as prié pour que cette pointe sorte, là, ça y est. Là, franchement, j'ai plus mal. Gloire à Jésus! Jérémy, à un live, tu avais prié pour moi 4 fois ou 5 fois. La douleur était complètement partie, mais cette pointe est toujours restée. Et là, franchement, elle est partie. Jésus termine ce qu'il commence. Alléluia, gloire à Jésus, merci beaucoup. On est à 11. 11. Vas-y. Alors venez, hop. Votre prénom c'est ? Angela. Angela, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Qu'est-ce que vous aviez ? J'avais l'arthrose. En fait, c'était une fissure du ménisque au début. Et puis après, c'est maintenant l'arthrose. J'ai mal partout, en fait. Je ne sais même pas où est-ce que j'ai mal. Tout le corps me fait mal, les genoux, les pieds. Et quand je suis rentrée, là, il y a une soeur qui m'a vue, qui m'a dit, vous avez mal aux pieds ? J'ai dit, oui, on va rester ensemble, on va prier. J'ai dit, OK. Et quand je suis assise là-bas, dès que je suis rentrée, je lui ai dit, je ne me sens pas du tout bien. Elle me dit, à quoi ? J'ai dit, je ressens la fraîcheur partout. Je vais tomber, peut-être que je vais faire quelque chose, je ne sais pas. Donc, le corps bougeait. Et tout à l'heure, quand vous avez dit, priez pour les genoux et tout, les soeurs et tout le monde sont venus. Dès qu'ils m'ont attrapée, je suis tombée. Et quand je suis tombée, je me suis relevée. Je n'ai plus mal aux genoux et partout. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et donc là, du coup, vous pouviez... Comme ça, quand je suis arrivée, je marchais comme ça. Je marchais comme ça quand je suis arrivée. C'est elle qui m'a détectée même. Elle dit, vous avez des problèmes. J'ai dit, oui. Ah, mais c'est sûr que là, ça se voyait quand même. Mais là, je peux marcher, je peux marcher. Mais elle savait que Jésus allait guérir. Amen. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ça fait 12. 12. En fait, 12. En fait, tout à l'heure, moi, j'avais le nombre 50. Donc, je pense avant la fin de la journée, là, on va dépasser 50 guérisons, d'accord ? Donc, je vous préviens juste. Donc, attendez-vous là. Dieu va continuer à agir. OK ? Ensuite. Alors, votre prénom, c'est ? Gertrude. Merci. Alors, qu'est-ce que vous aviez exactement ? Ben, moi, j'avais les deux tendinites. L'épaule droite, c'était un peu nouveau. Gauche, ça fait plusieurs années que j'ai ça. Alors, les groupes, ils ont commencé à prier. Tout d'un coup, l'épaule droite était guérie. Mais gauche, il résistait. On a prié encore deuxième fois. Ça résistait, ça allait doucement, gentiment, vraiment, graduellement. Les groupes ont continué. Ils ont vraiment persévéré. Ça a continué un petit bout. Ils n'ont pas lâché. Ça a continué un petit bout. Et puis maintenant, je peux faire les mouvements avec ma main. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ouais, bonjour. Alors votre prénom c'est ? Jean-Hugues. Alors Jean-Hugues, vous aviez quoi exactement ? Alors depuis 6 semaines, je souffre d'arthrose dans les deux genoux. Une douleur à 8 sur 10, je suis venu en boitant. Voilà, donc je ne peux plus m'agenouiller. Et là. Alors, je dirais à 95%. Voilà. Alors, on va juste prier. Tendez vos mains. On va... Parce que 5%, ça va quand même, 5%. Okay. Alors, on va prier. Seigneur, nous appelons maintenant, étendez vos mains. Nous appelons maintenant une guérison complète et immédiate sur ses genoux, dans le nom de Jésus. Douleur, dysfonctionnement, c'est terminé maintenant. Maintenant, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Nous déclarons une guérison totale. Totale, plus aucune douleur. Maintenant. 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 C'est terminé. Bougez, bougez, bougez. Déjà, je peux faire ça. Je ne pouvais pas. Déjà, je peux faire ça. Voilà. Amen. Amen. Il reste encore un petit peu. 98. 2%, là, vous pouvez vous en occuper. OK ? Allez-y. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Venez, venez pour témoigner. Alors, c'est pour un témoignage. Alors, venez, venez, venez. Je vous en prie. OK. Comment ? Ok, d'accord. Alors vous et pourquoi ? Alors moi, votre prénom déjà ? Anne-Marie. Anne-Marie, je viens de Corse et j'ai fait le défi guérison. Et je voulais témoigner de... En fait, j'ai pas eu des guérisons vraiment spectaculaires, mais parce que je travaille toujours et je suis bijoutière. Et j'ai dit au Seigneur, eh ben moi, je peux pas aller vers les gens, alors tu me les envoies.
Donc il me les a envoyés dans mon atelier. Et il y a plusieurs personnes qui ont été délivrées de, par rapport à des décès, des angoisses profondes. Et donc ils ont témoigné après qu'ils avaient été vraiment libérés, qu'ils avaient... Et puis je savais pas si je devais venir, enfin je voulais vraiment venir, mais bon bah c'est loin. Je suis déjà partie un mois et demi chez ma fille en Suisse, donc j'avais plus beaucoup d'argent. Et au dernier moment, Dieu m'a donné l'argent. Et puis donc je suis partie un peu en avance et j'ai passé une journée à Marseille. Et dans le bus, je voulais aller visiter le musée, là, le MUCEM. Et dans le bus, il y avait une femme arabe qui était voilée avec un petit garçon. Et pourquoi, tout d'un coup, elle m'a souri. Et puis, elle a commencé à me dire qu'elle avait mal aux dents. J'ai rien demandé, moi. Voilà. Elle a commencé à me parler alors qu'elle ne me connaissait pas. Et j'ai mal aux dents. Et puis, c'est le week-end. Et, hein. Alors, j'ai dit, bah, si vous voulez, je peux prier pour vous. Oui, 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 oui. Alors j'ai prié pour elle et puis bon, juste j'ai dit au nom de Jésus, je chasse la douleur des dents et puis voilà, ça va aller, vous allez pouvoir aller vous faire soigner, tout ça c'est bon. Et puis j'ai dit, et alors, ça va mieux? Elle m'a dit, j'ai senti une chaleur, j'ai plus mal. Alors j'étais encouragée, voilà, je voulais témoigner de ça parce qu'en fait le Seigneur il m'a dit, ben, je suis dans l'affaire, t'es bien là, au bon endroit, parce que moi-même j'ai besoin. Amen, merci beaucoup. On a prié pour moi, pour l'épaule, pour la sciatique et tout, donc ben, ça va mieux. J'ai encore mal au genou, mais... Est-ce qu'on peut prier? Vous pouvez prier pour elle? Allez, on va prier pour vous. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, il n'y a pas de... Alors, est-ce qu'on peut acclamer Dieu déjà? Amen. Merci. Alors, elle a été dans l'humilité en disant, oui, mais bon, ce n'est pas des miracles extraordinaires, mais quand il y a des gens qui ont des décès, qui vivent des choses difficiles, et qui sont soulagés, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une petite guérison? Car la guérison émotionnelle, peut-être quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui fait des dégâts, d'accord? Donc c'est précieux, d'accord? Donc on prendra un temps pour prier pour ça tout à l'heure, d'accord? Mais pour ceux qui ont des problèmes de dents, tout ce qui concerne la dentition ou la bouche, est-ce qu'il y en a ou pas? Levez juste la main. Ok, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, il y en a plusieurs. Ok. Levez-vous, on va prier pour vous. D'accord? Et encore une fois, vous allez imposer les mains, tous ceux qui sont autour. Exercez votre autorité d'enfant de Dieu. D'accord? Allez-y. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore prié pour un malade, faites-le. D'accord? Faites-le. Jésus veut vous utiliser. Appelez la guérison, déclarez la guérison. Ok? On y va. Dans le nom de Jésus. N'oubliez pas, homme avec homme, femme avec femme. D'accord? Si vous êtes un homme, ne posez pas forcément votre main sur le visage de la femme. D'accord? Laissez les autres femmes le faire. Posez la question, dire est-ce que je peux poser ma main? Voilà, d'accord? Tout ça dans le respect, dans l'honneur. Seigneur, nous appelons maintenant l'onction à descendre, l'onction de guérison, de descendre sur mes frères et sur mes sœurs. Nous appelons maintenant à toute douleur au niveau de la mâchoire, au niveau des dents, au niveau de la bouche, de disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont des problèmes à la mâchoire dû à un problème au niveau du dos. Et donc du coup, ça irradie même dans la mâchoire. Je prie maintenant à ce que ces douleurs, même au niveau du dos, au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque, maintenant cessent immédiatement. J'ordonne à ces dysfonctionnements de cesser immédiatement dans le nom de Jésus, et que toutes ces douleurs qui se sont éradiées au niveau de la tête, des douleurs au niveau de la tête, au niveau de la mâchoire, cessent immédiatement dans le nom de Jésus, maintenant. Maintenant. Maintenant, le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu maintenant, sur toi, dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de visiter plusieurs. Amen. Amen. Vérifiez maintenant, vérifiez. Vérifiez maintenant même dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est normal. S'il y a des personnes qui tombent, c'est normal, c'est l'onction de Dieu qui touche, qui visite, et le corps réagit à ce que l'esprit vit. D'accord? Quand Jésus a dit « C'est moi » aux soldats, les soldats se sont mis à tomber.
avec la puissance de Dieu. Quand Jésus a dit « c'est moi », il parlait de son identité, de qui il est. Amen. Amen. Nous appelons la délivrance maintenant. La délivrance maintenant même dans le nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité maintenant, vous quittez les corps maintenant même dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Amen, amen, amen. Vérifiez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une amélioration? Levez une main. Une amélioration à 80%. Levez deux mains. Une main, amélioration. Deux mains, guérison. Ou amélioration à 80%. Ok. Continuez à prier. Pour ceux qui ont levé une main, continuez à prier. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On continue à prier. Seigneur, étends tes mains. Tu libères maintenant. Tu libères, tu restaures. Il y a une amélioration là-bas. On continue à prier. Le feu de Dieu sur toi maintenant. Le feu de Dieu sur toi maintenant même dans le nom de Jésus. Reçois. Plus. Plus. Plus maintenant même dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Continue à prier. Ah, on va le faire après. À 80%, plus de 80%. D'accord. Est-ce que tu as encore des douleurs ou pas? Allez. Bien. Ton prénom, c'est Nelly. Alors, qu'est-ce que tu avais exactement? En fait, j'ai eu un accident de ski quand j'avais 24 ans, donc ça fait... Ça fait 3-4 ans. Voilà. Et donc j'ai eu trois opérations importantes. Ils m'avaient mis des broches, des ligaments de toutes sortes qui ont cassé. Et en fin de compte, les derniers ligaments qui étaient issus du tendon rotulien ont aussi cassé. Ce qui fait que mon genou, il partait devant. J'avais plus de flexion, donc plus de ligaments croisés ni ligaments internes. Et mon genou, il partait sur le côté. Et donc, il y a toute une équipe là qui a prié pour moi. Donc, au début, quand je pliais, le genou continuait à partir. Et là, maintenant? Et là, maintenant, je fais ça. Je fais ça! Est-ce qu'il n'y a plus de douleur? Il y a encore un peu de douleur. Encore un peu de douleur, mais du coup... C'est normal parce que j'ai eu plusieurs opérations et ils ont mis les cartilages un peu partout. Donc, il est un peu encombré, ce genou. Il est un peu encombré. OK. Il y a des ligaments qui ont été créés, quoi. C'est juste fabuleux. On appelle ça un miracle créationnel, d'accord? Quand il y a créatif, excusez-moi. Miracle créatif. Donc, il y a des ligaments qui ont dû se créer. Est-ce que vous pouvez... Il y a encore un petit des pointes de douleur, même s'il y a quand même une guérison incroyable, d'accord? Continuez à prier, d'accord? Dieu va continuer son œuvre, d'accord? Pour qu'il n'y ait plus aucune douleur et plus aucune gêne. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, là, on est content d'entendre des tendinites, les sciatiques et tout ça maintenant. Là, on veut passer, vous avez, là, on parle de miracle créatif et Dieu agit de gloire en gloire, d'accord? C'est de gloire en gloire. Dieu n'est pas limité, en fait. C'est nous qui, on est bloqués dans notre tête, d'accord? Donc là, on va entendre un témoignage ici. Viens ici, tu vas nous raconter. Et je vais rebondir après sur ce que tu vas dire. Donc, ton prénom, c'est? C'est Thibaut de Toulouse. Alors, donc, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose? Oui, la semaine dernière, on était dans mon église, il y a une grosse vague de guérison, notamment d'un homme qui était paralysé parce que tiré par balle. On a vu la balle dans sa colonne vertébrale dans le scanner. Et puis on lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis il s'est levé, et puis il a marché, et puis il est tombé, et puis il s'est relevé, il a marché. Et puis au final, il poussait sa chaise, il est reparti à pied, enfin, tout simplement sans sa chaise. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, c'est important qu'on élargisse notre perspective de ce que Dieu fait. Parce que sinon, ce qui se passe, parce qu'on est tous pareils, on est des êtres humains. La Bible dit dans Romains que celui qui prophétise, prophétise en proportion de sa foi. Et pour la guérison, c'est pareil. Des fois, tu vas dire, ok, t'as une tendinite, ok, ça, je peux prier. Là, la personne te dit, j'ai un cancer, tu dis, ouh. Et là, la personne te dit, j'ai une maladie dégénérative, tu fais, ouh. Il y a quelqu'un d'autre pour prier. Et là, tu n'oses pas. Mais en fait, c'est pas plus tu ne peux pas plus guérir une migraine que guérir une sclérose en plaques de toi-même. Ce n'est pas ta puissance, c'est la puissance de Jésus. D'accord? Et c'est déjà tout accompli. Et la foi, c'est ce qui me permet de saisir ce qui est déjà accompli.
Et quand je suis dans la foi, c'est disponible. C'est comme, ah, je le vois, je sais que c'est là, je le prends et je bois. Mais quand je ne suis pas conscient, je n'ai pas trop la foi, c'est comme, j'arrive pas, c'est trop loin. Alors qu'en fait, c'est disponible, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Jésus dit, c'est tout proche, c'est là. Mais ce qui change, en fait, quand j'écoute les témoignages, c'est que ça se rapproche. Et en fait, c'est moi qui me rapproche parce que c'est là. Et du coup, j'arrive à le saisir et je le communiquer. Donc, c'est important d'oser prier, d'entendre ce genre de témoignage pour oser prier. Donc, je ne sais pas si on a des gens qui ont des séquelles qui se sont fait tirer dessus, un accident de chasse, un accident de vous êtes fait tirer dessus, vous avez des. Ou alors, vous avez du métal dans votre corps. Vous avez quelque chose qui a été inséré, qu'on n'a pas su enlever. Ou alors, vous avez une prothèse qui fonctionne mal. Vous avez des broches, vous avez des boulons, des vis, vous avez quelque chose de métallique dans votre corps qui vous cause de la douleur. Est-ce qu'il y a des gens ici? Non? Bon, ok. Maintenant, on va raconter un deuxième témoignage. Je reviens ici, c'est Thibaut. Hein? Donc Thibaut, là on prie pour notre sœur ici qui a une sclérose en plaques et on veut prier pour elle. Et on veut déclarer la bénédiction et on va prier tous ensemble pour elle. D'accord ? Maintenant, un conseil que je donne. Quand on tombe sur un gros morceau, qui est un gros morceau pour la médecine ? Parce que pour la médecine, il y a des trucs qu'on dit ça va passer dans 5 jours, c'est ton système immunitaire qui va faire le job. Il y a des choses, on dit il faut les antibiotiques, il faut un traitement, on va t'opérer, et puis c'est réglé. Mais il y a des trucs, la médecine dit ben, on ne peut rien faire. On appelle ça une maladie incurable. Mais pas pour Jésus. Pas pour Jésus. Et quand on tombe sur un gros morceau, si on a été habitué à avoir prié pour des tendinites ou des choses comme ça ou sur des choses qui sont guéries instantanément, eh bien on prie et là, si on ne voit pas une guérison tout de suite, on se dit « Ah bah là, Jésus ne peut pas » ou « J'ai pas assez la foi » ou « Tu vois, c'est pas le temps de Dieu » tout ça, c'est des bêtises, Dieu veut. Mais on a besoin d'exercer notre foi, de persévérer. Il y a une dimension de persévérance de la foi. Et ce que je vous conseille, c'est de découper la maladie en petits morceaux. C'est-à-dire au lieu de voir la maladie comme un gros morceau, voyez-la comme une somme de petits symptômes. De cette façon-là, vous pouvez prier spécifiquement et vous êtes capable d'observer les améliorations. Et quand vous voyez les améliorations, votre foi se fortifie. Pourquoi ? Parce que Dieu, on a prié et Dieu est en train d'agir. Et ce qu'il a commencé, il va le terminer. Et la Bible nous dit, ta guérison germera promptement. Donc, il y a cette dimension et on va alimenter par la prière, on va remercier, d'accord ? Et ça, c'est vraiment important. Peut-être que vous avez des gens à la maison qui sont en fauteuil roulant, ou qui sont alités, ou qui ont des gros problèmes. Ça peut être des maladies génétiques, ça peut être des maladies dégénératives, des choses, vous savez, où on vous dit, ben là, il n'y a pas d'espoir. La médecine vous dit, il n'y a pas d'espoir. Mais Jésus est l'espoir de gloire. Et là, on se dit, mais comment je fais pour mesurer ma foi face à ce géant ? Eh bien, on a besoin d'y aller par étapes. D'accord ? Et la deuxième chose dont on a besoin, David, lorsqu'il a coupé la tête de Goliath, il ne s'est pas présenté devant, vous m'entendez sincèrement souvent dire ça si vous suivez les vidéos, il n'a pas affronté Goliath en disant « Tiens, aujourd'hui je vais tuer un géant ». Il s'est présenté devant ça et lui a dit « L'Éternel a été avec moi lorsque j'ai tué le lion, l'Éternel a été avec moi lorsque j'ai tué l'ours, et il en sera de même de ce Philistin, parce que le Seigneur est avec moi ». Et donc, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que quand vous avez un proche qui est malade, quelque chose de vraiment grave, et que vous ne voyez pas la percée, il faut continuer de prier pour lui, mais il est surtout très important de commencer à prier pour d'autres personnes. Parce que vous avez besoin d'avoir chez vous des trophées d'une tête d'ours et d'une tête de lion pour pouvoir, quand vous priez pour la maladie de votre proche, dire « Il en sera de même de toi que de lui. » D'accord ? Parce que l'ennemi veut vous faire croire le contraire, il veut te dire « Quand ton mari sera guéri de son problème de cerveau, de cœur, de je ne sais pas trop quoi, incurable, alors tu seras qualifié et crédible pour dire aux autres que Jésus guérit. » Et en fait non, c'est le contraire. Ma foi est faible, ma foi est vacillante, ma foi est embryonnaire, elle est jeune, je la protège comme une toute petite, ma petite lumière, je la ferai briller, tu comprends, un petit lumignon qui fume. Et là je vais prier pour quelque chose.
Et là, oh, ma collègue a plus mal au dos. Oh, oh, ma voisine a plus de sciatique. Oh, ma cousine, j'ai prié pour elle et son analyse de sang maintenant est bonne. Et là, ce qui se passe, c'est que ta foi grandit. L'espoir renaît. Tu te relèves. La Bible dit qu'il est ma gloire, il relève ma tête dans le psaume 5. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et Dieu relève ta tête, il ranime l'espoir. Et là, après, tu peux te présenter face à Goliath différemment. Donc là, maintenant, Thibaut va nous partager un témoignage qui est un membre de ta famille, je crois. Donc il s'appelle Christophe, il a la myèle Charcot, donc c'est aussi dégénérative. Et quand je suis allé le voir, c'était en mai dernier, je vais te faire présence 2022. J'ai commencé ma première prière de guérison par lui, donc je suis allé le voir, j'ai fait Toulouse-Lyon. Et cet homme-là, il était à un stade où il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait même plus ouvrir la bouche, il ne pouvait plus parler, plus rien du tout, à part juste vite fait, c'était sur 2-3 petits mots sur texto, mais plus grand-chose. Et quand j'y suis allé, j'ai beaucoup prié avant forcément, la veille, Dieu m'a beaucoup encouragé, il m'a donné une prière à faire, il m'a donné une direction. La première, c'était de prier pour tout ce qui est neurone, bénir son corps, mais surtout dans le cortex et dans la moelle épinière. Je ne suis pas médecin, mais j'ai appris ça avec Dieu. Et surtout de prier contre Charcot. Contre l'esprit de Charcot. Donc, quand on y allait, bah, j'ai oublié Dieu. J'ai expliqué à cet homme-là qui ne connaissait pas Jésus ce que j'allais faire, qui était Jésus, et un peu de, pour rendre gloire à Jésus. Et puis, on s'est mis à prier contre Charcot et bénir, contre Charcot et bénir. Et vraiment, le premier jour, quand on priait pour Charcot, contre Charcot, on se sentait avec sa femme qui est chrétienne que c'était vraiment la direction à faire. Et on sait que Charcot est parti. Je ne vais pas vous dire comment, mais l'esprit de Charcot est parti. Et après, on a commencé à avoir des améliorations. Par exemple, son bras, il pouvait peut-être faire ça. On priait cette fois, prière d'Élie, et puis de plus en plus, il pouvait lever le bras. Et après, hop, on allait sur les pieds, on allait sur la bouche. Ça fait presque un an maintenant, donc mai dernier, 9 mois, 8 mois, je ne suis pas vraiment en maths. Et en réalité, j'y suis allé peut-être 5-6 fois, Dieu a envoyé d'autres personnes aussi grâce au défi guérison. Merci beaucoup. Des gens de la région qui étaient moins loin que moi à Toulouse ont pu venir. Et en fait, il n'est pas encore debout, mais pourtant, je vous assure que sa bouche, par exemple, à un moment, on a prié pour tout son faciès, c'était un slammer, donc on a prié pour sa langue, qu'il puisse reparler, qu'il puisse s'exprimer, et puis parler à Jésus aussi, parce qu'il le rencontre dans tout ça. C'est impressionnant. Quand on parle de Jésus, ses yeux brillent. C'est très beau à voir, bref. Et en tout cas, pour sa bouche, un jour, on a prié pour tout son visage, tout ça. Et puis, un jour, on ne voit pas grand-chose, et puis je lui parle, et puis je le vois faire ça. Et en fait, j'explose de joie parce qu'en fait, c'est pas possible. Ses lèvres ne bougeaient plus. Je sais pas comment ça marche. Il n'y a pas de nerfs, j'en sais rien. Il fait ça. On l'explose de joie, ça m'a prié. Puis d'un coup, sa bouche, il peut faire. Il peut ouvrir grand sa bouche. Et maintenant, il remange alors, de la soupe comme ça. Il remange pas parce qu'il peut. Il a les intras. Je sais pas comment ça marche, pardon. Mais il mange par plaisir. Il retrouve aussi goût à la vie. Il n'y a pas qu'une guérison physique. Il y a une guérison émotionnelle, de l'âme, de l'esprit, du passé, de sa vie. Il n'est pas encore guéri. Ça va continuer à faire, je sais que ça va le faire, Dieu me l'a promis, Dieu veut guérir, je le sais. Mais en tout cas, c'est vraiment étape par étape, et en fait, on se concentre sur les améliorations. Parce que le pied, d'un coup, il a pu faire ça, au bout peut-être de 3 jours de prière et 10 fois de tout ça. Il a juste fait ça, bah, amen, donc content, on enchaîne. Et bref, voilà. Et en se demandant à Dieu à chaque fois comment faire, et très souvent, on ne sait plus où aller parce que le corps ne bouge pas. Et on se pose, on dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis bim, il y a une vision. Une fois, c'était Sophie, ma fiancée, qui a une vision de mettre comme si Dieu avait de l'argile et puis modeler son corps. Alors on a pris de l'argile, on a pris de l'huile d'onction, on a fait un petit mélange et juste j'ai posé les mains, je me suis mis à chanter en langue. Ma belle-sœur a massé, on a obéi à Dieu. Et là, ça allait toute vitesse. C'est plus de réflexion, on priait cette fois comme ça. Ça allait toute vitesse en obéissant aux directions de Dieu, ça allait à toute vitesse. Et bon, ouais, voilà, il n'est pas encore guéri, mais je sais que ça va le faire parce que Dieu fait tout en même temps. Gloire à Jésus. Merci Thibaut. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. On va prier. La guérison, c'est un combat. C'est une guerre. D'accord ? C'est une guerre. Quand vous regardez le Téléthon, tout ça, il dit, voilà, on a relevé 300 millions d'euros, et puis, voilà, on est content, il y a une petite avancée, maintenant on est capable de faire ça, et il célèbre une petite avancée. C'est une guerre. Voilà, la lutte contre le cancer, c'est la ligue, ou dans tous les pays, c'est des termes un peu guerriers, parce que les gens veulent lutter contre, c'est une lutte, c'est une guerre, ils comprennent, on va remporter la victoire, la bataille contre cette maladie, d'accord ? Et dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Et on a besoin que notre foi, c'est sûr, si jusqu'à présent on est dans un niveau où je ne crois pas que Dieu guérit encore, ben, on a besoin de croire que Dieu guérit, après on a besoin de croire que Dieu veut m'utiliser, après on a besoin de croire que Dieu veut vraiment m'utiliser plus, pas juste pour mes proches. Et après, on a besoin de dire, ok, maintenant, je veux des percées, je veux plus. Je veux plus. Et pas pour moi, mais pour les gens. D'accord ? Et qu'est-ce qui permet de prier avec persévérance ? Et c'est parce qu'on s'appuie sur les promesses de Jésus. Et vous avez entendu quelque chose.
chose qui est vraiment importante, c'est que nous, au début, on vous donne des techniques qui sont là, en fait, pour soutenir votre foi. C'est un peu comme une béquille. Vous n'avez pas trop marché, on vous aide. Comme un enfant, on lui tient les mains quand il commence à faire ses premiers pas. Vous savez, les enfants qui marchent comme ça, là. Et on sait très bien que si on lâche, il tombe. Il n'y a pas d'équilibre, il ne tient pas debout. Mais on dit, ah, il fait ses premiers pas. Mais c'est un peu ça qu'on fait. On vous aide. C'est à ça que ça sert. Prie cette foi, mets ta main dans ta poche, souris, répète et tout ça. Mais au bout d'un moment, vous avez besoin de passer dans une dimension de prière prophétique. Ça veut dire inspiré par le Saint-Esprit. Ok, Jésus, je sais que tu es là, c'est quoi le plan? Et pour que tu puisses collaborer avec le Saint-Esprit, il faut que tu sois conscient que Dieu est à côté de toi et qu'il veut. Parce que tu dis, ah, Dieu est loin, au secours, Seigneur! Là, Dieu dit, mais je suis là. Déjà, cette prière-là, elle ne sert à rien. Donc là, tu passes d'un niveau de foi, tu dis, Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu vas m'utiliser, je sais que tu es puissant, c'est quoi la stratégie? Et là, tu vas faire les choses que Dieu te demande. Et tu vas avoir besoin de foi, parce que quand Jésus va te dire, comme là, tu dis, tu mets de l'argile, c'est bizarre de mettre de l'argile. Mais Jésus a craché, il a fait de la boue, tu comprends? C'est à la fois bizarre et pas bizarre. C'est dans la Bible, mais en même temps, tu te sens bizarre la première fois que tu fais un truc pareil. C'est un geste prophétique. Mais en même temps, tu vois la gloire de Dieu et Dieu agit. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier. Voilà, donc voici ce qu'on va faire. On va prier déjà pour tous les gens. Vous avez un proche, des proches, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin. Vous dites, lui là, vous voyez la personne qui décroît en fait, d'accord? Et vous dites, Seigneur, j'ai besoin que tu me guides, me voici en moi, comme Esaïe, qui marchera pour moi? Le Seigneur dit, Jésus dit, hey, j'ai tout accompli, j'ai souffert pour ça. Jésus n'a pas souffert que pour les tendinites. Jésus a souffert pour tous ces trucs, charcot, sclérose en plaques, cancer, sida, Lyme, le lupus, toutes les maladies bizarres qui ont toutes sortes de noms et qu'on dit, on met un nom et on pense que ce nom est au-dessus de Jésus. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom, d'accord? Donc j'aimerais prier pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous soit relâché, parce qu'il y a une onction d'audace et de foi et de persévérance. Une autre image qu'on peut vous donner, c'est comme un mur de briques que tu veux casser, que tu veux abattre, puis tu as juste un petit marteau. Et là, tu y vas, et à chaque fois que tu tapes, il y a une brique qui tombe. Bah, continue de taper, au bout d'un moment, il n'y aura plus de briques. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer à taper? C'est parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que c'est la volonté que le mur tombe, comme les murailles de Jéricho. Et tu sais aussi que tu prends conscience, tu comptes les briques qui sont tombées. Et c'est ça, c'est vraiment une clé qui est très importante. Quand les gens vous donnent un gros problème, ils disent, ok, mais c'est quoi précisément? De façon à prier précisément. Et des fois, on voudrait que Dieu commence par là, puis il commence par ailleurs. Mais on suit le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut m'utiliser, Dieu veut nous utiliser. Donc si, là, ce qu'on va faire là, on va prier pour tous les gens que vous dites, moi, j'ai un proche, je veux cette onction, je veux cette audace. Seigneur, me voici pour oser persévérer. Parce que quand tu persévères face à quelque chose qui est long, bah, des fois, tu pries et rien ne se passe. Comme tu l'as dit, tu pries, rien ne se passe, puis trois jours après, son pied commence à bouger. Et là, pendant ce temps-là, tu te sens, est-ce que ça sert à quelque chose ce que je fais? Pour qui on prend? Qu'est-ce qu'il va penser la personne? Et tout ça. Alors j'aimerais prier pour vous dans ce sens-là, et ensuite on va prier pour tous ceux ici. Okay. Alors on fait une pause, d'accord? Vous gardez ça dans votre cœur, on va prier pour ça. Qui a un problème au niveau de l'épaule, là, maintenant? De l'épaule, là. Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Niveau de l'épaule, niveau du muscle, ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez lever même plus, un peu plus haut les mains? Ok. Comme vous pouvez prier, là, Dieu veut guérir les épaules, là. D'accord? On va prier pour ça rapidement. D'accord? Comme je l'avais dit, soyons actifs, réactifs. On va prier, là. Levez-vous, allez prier pour ces gens-là. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout problème d'épaule, maintenant même, de disparaître dans le nom de Jésus. Pas besoin d'expliquer ce que vous avez. Dites où vous avez mal, épaule gauche, épaule droite. Maintenant, Seigneur, je libère cette parole de connaissance maintenant. Tous les problèmes au niveau des épaules maintenant soient totalement guéris. Peu importe ton origine, peu importe le problème, peu importe la douleur, peu importe le dysfonctionnement. Je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus sur ce problème d'épaule et je libère la guérison divine. Je libère la guérison divine maintenant même sur ces épaules dans le nom de Jésus. Soyez libres maintenant. Maintenant. Soyez libres maintenant dans le nom de Jésus. Plus aucune douleur. J'ordonne à la mobilité
de fonctionner correctement. J'ordonne aux articulations de fonctionner correctement. Dans le nom de Jésus, j'ordonne une mobilité à 100%. 100% maintenant même. Maintenant même. Je libère maintenant l'onction de guérison sur vos épaules et j'ordonne à vos épaules de fonctionner correctement dans le nom de Jésus. Maintenant, testez et vérifiez. Testez et vérifiez. Levez une main s'il y a une amélioration. Levez deux mains si vous êtes guéri. Ok, amélioration. Il y a une amélioration. Mais continuez à prier. Amen. Guérison. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux venir rapidement? On va témoigner. Amélioration. Continuez à prier. Déclarez. Déclarez la guérison maintenant même. Jésus veut libérer maintenant. Ton prénom, c'est Mireille. Alors, qu'est-ce que tu avais à l'épaule? Alors, je suis infirmière et j'avais une douleur depuis quelques mois par rapport à un patient que je manipule qui est hémiplégique. Et ça commence à s'installer au niveau musculaire et tendineux. Et puis, plusieurs personnes ont prié tout à l'heure. Il y avait une nette amélioration. Et puis là, bah, tu reparles de ça. Du coup, je veux bien parce qu'il en reste. Et ben voilà. Non, j'ai plus mal. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ton témoignage. Amen. Merci. Ok. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, pour amélioration, une main. Ou est-ce que guérison? Amen. Une main, amélioration. Deux mains, guérison, au moins à plus de 80%. 100%. Non? 100%? Tu peux venir? Tu veux rendre gloire à Jésus? Amen, bien. Qu'est-ce que tu as? Ton prénom, c'est? Qu'est-ce que tu avais exactement? J'avais une pointe à l'épaule. Hein. Oh, ça fait une semaine. Et du coup, là? Bah, c'est très léger, ça, à 90%, mais c'est beaucoup mieux. À plus de 90%? Donc, tu pouvais pas faire ces mouvements? Si, je pouvais, mais c'était avec une petite douleur, là. Avec une petite douleur. On va juste prier pour elle, d'accord? Juste prier pour toi, pour que ce soit 100%. Rappelle-moi ton prénom. Aurore. Seigneur, nous prions pour Aurore maintenant. Et j'ordonne à ses douleurs d'épaule de la quitter totalement dans le nom de Jésus. Que ton feu soit sur elle maintenant. Je communique le feu de Dieu maintenant, l'onction de guérison sur son épaule, dans le nom de Jésus. Et je prie à ce qu'il n'y ait plus aucune douleur, aucun dysfonctionnement maintenant même. Je bénis son épaule. J'appelle la santé divine maintenant à s'installer dans son corps, dans le nom de Jésus, maintenant. Maintenant. Touche-la. Visite-la maintenant même. Dans le nom de Jésus. Reçois. Plus. Maintenant. Plus maintenant même dans le nom de Jésus. Maintenant. Plus. Plus. Dans le nom de Jésus. Bouge ton épaule. J'ai plus mal. Ça y est, plus mal. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen. Oh, tu veux y aller. On a prié tout à l'heure pour les gens qui avaient des problèmes de bouche. Et donc ton prénom c'est Mihai. Mihai, alors quel était le problème et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la gencive très irritée au niveau côté droit de la bouche et je devais utiliser à chaque fois de l'eau chaude pour me rincer la bouche. C'était très compliqué pendant plusieurs mois. À chaque fois quand je me brosse les dents, je devais utiliser eau chaude. Et je suis allé vérifier et j'ai été guéri. Je peux boire de l'eau froide, j'ai mis de l'eau fraîche aux toilettes, je sens plus rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. J'avais honte d'en parler à Dieu parce que comme tu as dit, je pensais que c'était un tout petit problème et que je pouvais le résoudre par des choses humaines et il a fait grâce et je le remercie. La raison pour laquelle Jésus guérit tes petits bobos, c'est parce qu'il a compassion de toi. Et quand tu as ton enfant, quand tu as un tout petit bébé et qu'il est dans le pli de sa fesse, c'est un petit peu rouge. C'est juste un petit bobo, il ne va pas mourir. Mais tu mets de la crème, tu t'en occupes et tu dis, mon bébé a une petite rougeur dans le pli de sa fesse, dans ses bourrelets de bébé là, tu sais. Et toi, en tant que maman, en tant que papa, c'est grave. C'est, au secours, mon enfant a besoin d'aide là, il me faut de la crème. Tu vas à la pharmacie de garde pour aller trouver la crème spéciale, là, tu comprends? Eh bien, Dieu, il est comme ça. Donc, n'aie pas honte, ne sois pas gêné.
Ne crois pas que Dieu n'en a rien à faire de toi ou qu'il est trop occupé ou que dans la file d'attente, tu arrives comme aux urgences, tous les gens qui sont en civière passent devant et puis toi, tu attends un antibiotique, ça n'arrive jamais. Ce n'est pas comme ça. Dieu a compassion de toi. La guérison est une manifestation de l'amour et de la compassion de Dieu. Alors, on va prier maintenant pour toutes celles et ceux... Merci, Mihai. On va prier pour toutes celles et ceux... Attends, je finis ça. Bon, là, ce qui est cool, c'est qu'au moins, on n'est pas perdu dans le chat, on ne vous a pas perdu. Lui, il est encore là. Tu peux t'asseoir même si tu veux. Donc, on va prier pour tous celles et ceux, vous avez une maladie qui est honteuse. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Vous avez une MST, vous avez quelque chose, vous dites, bon, je suis gêné de demander ça, compris pour moi. Maladie de Verneuil. Maladie de Verneuil. Jérémy a déjà vu une guérison de ça. Vous avez des troubles de l'érection. Vous avez des problèmes de mauvaise haleine. Des fois, les gens disent, moi, j'ai un les gens souffrent de ça. Vous avez un problème hormonal qui fait que ça crée un complexe. Ça crée une gêne. Tout ce qui est en rapport avec le sentiment d'indignité, c'est trop petit pour que Dieu s'intéresse à ça. C'est trop petit pour que Dieu s'en occupe. C'est pas grave parce que je peux vivre avec. Ou quelque chose que vous osez même pas demander de la prière parce que vous en êtes gêné. D'accord ? On n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Nous, on veut pas savoir. Jésus sait. Parce qu'il vous connaît depuis le ventre de votre mère. Si vous avez ce genre de problème, simplement, levez-vous ou levez la main et on va prier pour vous. Tout ce qui est maladie de la honte, ouais, ça. Maladie de la honte en général. Vous savez, comme la femme à la perte de sang, elle est approchée Jésus par derrière. Je ne sais pas si vous avez vu The Chosen, là, à un moment, la scène est pas mal, là. Comme la femme, je pense que la saison 3, c'est pas encore sorti en français, mais je l'ai regardé. Et donc, si c'est vous, eh ben, levez-vous, on va prier pour vous maintenant. Il y en a une personne là. Est-ce qu'on peut entourer ces personnes, homme avec homme, femme avec femme? On veut les accompagner. On est le corps de Christ. Merci. Parce que si vous vous levez pour ça, levez la main, qu'on puisse vous identifier de façon à ce que les gens puissent venir prier pour vous, d'accord? Il y a une personne là. Il y a une personne là-bas au fond. Avec l'écharpe bleue là, il y a des gens qui vont prier pour elle. Il y a un monsieur là, un monsieur ici. Etienne, là. Ok. Alors voici ce qu'on va faire. La Bible nous dit que Jésus sur la croix a porté notre opprobre. L'opprobre est une honte extrême publique. Jésus a été défiguré, dénudé, on lui a craché dessus sur la croix, qui était une mort maudite à la porte de la ville. Jésus a porté ta honte. Alors voici ce qu'on va faire. On va faire un geste prophétique. Celles et ceux qui sont dans cette situation, j'aimerais que tu imagines que tu as comme un manteau sur toi. D'accord ? Comme un manteau de honte, un manteau sale, un manteau qui sent pas bon, un manteau qui fait que tu es gêné. Et j'aimerais que tu prennes, je vous explique ce qu'on va faire et après on va le faire. Que tu prennes ce manteau et que tu l'enlèves, que tu le jettes loin de toi. Comme un peu comme Bartimée, vous savez, Bartimée c'était l'aveugle, le mendiant, il avait ce manteau de mendiant qu'il identifiait comme un aveugle. Il s'est levé, il a jeté son manteau et il est allé vers Jésus quand on lui a dit « le maître t'appelle ». D'accord ? Et je veux prier maintenant. Donc si c'est votre cas, vous allez mettre votre main sur ce manteau là. Je vais compter jusque 3. Et on va enlever ce manteau, vous allez le donner à Jésus. Et je vais prier et vous allez dire à Jésus, je te donne la honte. D'accord ? 1, 2, 3. Je te donne la honte, Jésus. Seigneur, nous prions maintenant pour ton huile de joie, ta faveur, un baptême de ton amour. Je brise maintenant les mensonges sur lesquels tu n'es pas digne, tu n'es pas accepté, ou que Dieu va te rejeter, ou te repousser, ou être indifférent à ton problème. Et je déclare maintenant au nom de Jésus la guérison, la faveur de Dieu sur toi. Je place le nom de l'Éternel sur toi. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis. Je te bénis. Ceux qui sont autour, vous dites, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Seigneur, nous donnons gloire à ton saint nom, nous t'exaltons et nous relâchons ta puissance de guérison maintenant. On prie maintenant pour la purification maintenant, la purification du corps, la fin des symptômes, la fin des douleurs, la fin des démangeaisons, la fin des irritations, la fin de ces douleurs maintenant. Nous donnons gloire à ton saint nom, Jésus.
Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous donnons gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ta paix maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, on vous laisse vérifier ce que vous avez à vérifier. Si vous êtes trop gêné pour en parler, n'hésitez pas, vous viendrez, parce qu'on ne veut pas gêner les gens. Vous nous mettrez dans le... Vous avez le QR code là pour le témoignage, vous nous direz ce qui se passe, on pourra le partager anonymement. Mais c'est important qu'on donne gloire à Jésus pour ce qui se passe, d'accord ? On a déjà vu des personnes guéries de MST, maladies sexuellement transmissibles, tout ça, et Jésus est vivant. Ok, bon, donc là maintenant, on finit la parenthèse, l'une des parenthèses de la journée, et on est toujours avec Thibaut. Et donc là maintenant, on va prier pour toutes celles et ceux qui veulent cette audace maintenant, pour prier pour les grosses maladies, les géants, d'accord ? Il faut que tu sois prêt à aller combattre des ours, que tu sois prêt à combattre des lions. Il faut que tu sois prêt à dire « Seigneur », alors que tout le monde autour de moi, comme l'armée de Saül, dit « Mais on a peur du géant, on ne veut pas y aller. » Et moi, je vais y aller. Et les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire que tu es orgueilleux. Ils vont dire « Mais pour qui tu te prends ?» Ils vont dire « Mais arrête de donner de faux espoirs aux gens. » Ils vont dire « Mais t'es pas pasteur. » Ils vont dire « Mais t'es pas assez loin ou consacré. » Ils vont dire toutes sortes de choses comme les frères de David. Mais toi, tu vas dire « L'Éternel qui est avec moi est vivant. » Et comme il était avec moi dans les champs quand j'étais tout seul, il va être avec moi ici maintenant. D'accord ? Et tu vas avancer avec l'amour de Jésus. Parce que tu te souviens que cette personne, elle souffre. Et ce n'est pas un projet, ce n'est pas un exploit pour mettre sur, ta tablette de trophée. Cette personne, Dieu l'aime. Et donc tu veux être arrivé comme un serviteur, avec amour, avec humilité, en dépendant du Saint-Esprit. Mais si c'est ton désir que tu dises « Jésus, me voici », tends tes mains vers le Seigneur et Thibaut va prier pour toi maintenant. Mercedes, d'abord, je te remercie pour toutes les personnes ici présentes et ce que tu veux faire pour elles et par elles. Merci, Seigneur Jésus, pour ton œuvre sur la croix. La guérison que tu nous donnes. Saint-Esprit, s'il te plaît, descends sur tout le monde ici présent et embrase-les. S'il te plaît, rends-les fous aux yeux des hommes. Amène-leur vers eux les pires cas, Seigneur, pour la médecine, et tu puisses prendre toute la gloire, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Saint-Esprit, ferme les oreilles aux mensonges, ferme les oreilles à l'incrédulité, ferme les yeux, mon Dieu, à ce qui n'est pas bon, les mensonges, et ouvre-leur, montre-leur la guérison, montre tout ce qu'il y a au ciel, tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as fait. Seigneur Jésus, s'il te plaît, à chaque fois, confirme ce qu'ils font. Tu as dit, imposez les mains malades, les mains seront guéris. Fais qu'ils guérissent ces malades. Seigneur Jésus, tu prennes toute la gloire. Saint-Esprit, s'il te plaît, embrase-les, qu'ils ne puissent pas dire non, qu'ils s'en fichent des peurs, qu'ils y aillent tout droit, comme des gros bourrins, Seigneur, pour ta guérison, mon Dieu. S'il te plaît, Saint-Esprit, conduis-les, inspire-les, forme-les. Et merci pour tout, mon Dieu, nous t'aimons. Amen. 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 Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prier spécifiquement pour toutes ces maladies qui ont un gros nom, un nom qui fait peur, un nom que quand on entend le diagnostic, tout le monde baisse la tête. Mais Jésus, lui, il est toujours sur le trône et il a triomphé. La Bible nous dit que Jésus, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom et on va déclarer le nom de Jésus au-dessus de ces maladies. Donc, étant donné qu'il s'agit de maladies qui sont problématiques, des fois les gens ne se déplacent pas, donc les gens ne sont pas forcément là, d'accord ? Donc si vous êtes ici présent et que vous avez une maladie avec un nom, quelque chose qui est incurable, d'accord ? Il n'y a pas de traitement et c'est incurable, d'accord ? Pour la médecine. On veut prier pour vous, d'accord ? Si vous avez un proche qui a ce genre de maladie, on va intercéder et vous allez vous identifier et on va prier sur vous et on va déclarer et vous allez ensuite aller prier sur la personne. D'accord ? Alors voici ce qu'on va faire. Si vous, là, présentement ici dans la salle, vous avez un cancer, vous avez une sclérose en plaques, vous avez la maladie de Lyme, vous avez un truc dégénératif, Parkinson, vous avez une maladie, vous savez, toutes les maladies qui ont un nom, là, bah, vous pouvez venir sur le devant. L'épilepsie, ça marche aussi. Là.
schizophrénie, oui, ça marche aussi, diabète. Même si on ne cite pas le nom de la maladie, oui, et oui, que oui. Ça vous concerne avancé. Vous avez quelque chose qui est incurable, qui ne se guérit pas. D'accord ? Vous allez vous mettre de ce côté-ci. Ok ? Mettez-vous en ligne. Maintenant, si vous avez un proche, je dis c'est mon mari, c'est ma femme, c'est ma cousine, c'est ma petite fille, mettez-vous ici. Mettez-vous en ligne, essayez de faire 2 ou 3 lignes. Les allergies, ça marche aussi. Et ce qu'on va faire... Essayez de faire une ligne. Les proches, c'est plus de ce côté-ci. Et puis ici, c'est vraiment vous, c'est plus de ce côté-ci, d'accord ? Gloire à Jésus. Hein ? Donc là... On a eu combien de guérisons là depuis le début là ? Tous ceux qui ont été guéris, levez la main qu'on puisse compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ceux qui ont reçu plusieurs guérisons, relevez la main. On était à combien ? 38 ? 31, 32, 33, 34, 35. On est à 35. On est, je ne sais pas combien, mais on est moins de 250. On doit être 230. Ça fait un bon pourcentage. Ça fait un bon pourcentage. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On n'a pas encore fini la première session, on a 3 sessions. C'est pas mal. Mais le but de tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, lui, il veut nous toucher, il veut nous bénir. Mais il veut faire progresser notre foi. D'accord ? Donc, là, vous êtes dans l'allée pour vous approcher ou vous êtes scélérant, là ? Non, vous êtes dans l'allée pour vous approcher. Ils sont debout, non. Ok. Déjà, regardez autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui souffrent ? Les gens sont assis à côté de toi, tu ne le sais pas, mais ils ont une maladie incurable. Et ça, c'est quelque chose qui est frappant quand tu commences à prier pour les malades, c'est que beaucoup de gens souffrent. Et Jésus veut t'utiliser pas juste pour tes proches, mais il faut que tu sois prêt à dire « Seigneur, je vais y aller, et je suis prêt à endurer des déceptions, des incompréhensions, des combats, toutes sortes de choses. Je veux me rendre disponible, Jésus. » Parce qu'on veut donner à Jésus la récompense de ses souffrances. D'accord ? Donc, ce que je propose, parce que nous, on veut vous équiper, d'accord ? Ok ? On va dire le nom de Jésus, on va déclarer le nom de Jésus au-dessus de ces maladies. On va le déclarer tous ensemble. Ok ? On peut leur imposer les mains ? On va leur imposer les mains. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est pour ça que je vous ai dit de vous faire en ligne. Alors dans ce cas-là, les gens qui sont dans l'allée, vous allez vous mettre le long du mur. D'accord ? Parce qu'on va passer entre vous, on va vous imposer les mains. Okay, donc il faut qu'on puisse passer, sinon on va vous oublier, vous n'êtes pas content qu'on vous a oublié, et puis on va vous marcher dessus, tout ça, ça ne va pas être pratique, d'accord ? Donc c'est vous qu'on puisse passer là, on a besoin de pouvoir passer. Tu peux laisser le fauteuil là, il n'y a pas de souci, on va passer derrière toi, il n'y a pas de souci. Essayez de faire une première rangée ici, une deuxième rangée, s'il n'y a plus de place, vous vous mettez dans les allées le long de chaque côté comme une haie d'honneur, et sinon le long des murs, ok ? Comprenez l'idée ? Voilà, donc on va faire une première rangée là, on va passer la deuxième rangée là. La troisième rangée, on ne pourra pas passer. Donc mettez-vous comme une haie d'honneur. De chaque côté, il y a la place là. Voilà, de chaque côté. Voilà, après là-bas au fond, pareil, il y a une haie d'honneur de chaque côté. Nous, on va passer, on va vous imposer les mains. Ok ? Après, une fois qu'on sera passé, je vous propose aussi que tous ceux qui disent « Mais moi, Seigneur, je veux aussi, j'ai répondu à cet appel et je veux prier pour les personnes. » Eh bien, on va prier pour les gens qui sont sur place là. Et vous allez pouvoir, c'est pour ça qu'on vous a mis un peu ici là. Et vous allez pouvoir aussi simplement dire « Je te bénis au nom de Jésus. » L'idée c'est que nous là, on va prier pour chacun de vous là. On va passer dans les rangs. Ok ? Une fois qu'on a prié pour vous,
Eh bien, si, soit on a prié pour vous, soit vous êtes encore dans les rangs, mais tout à l'heure vous avez dit, c'est non, me voici, l'audace, le lion, j'ai le géant, tout ça. Ok, bon, ben voilà. Donc là, maintenant, vous avez l'opportunité de prier aussi avec nous. Et les gens qui sont ici physiquement sur place, qui ont une maladie incurable, ils sont ici. D'accord ? Donc vous, vous allez rester là. Et dans un second temps, les gens qui sont dans la salle et qui disent, moi, Seigneur, je veux prier, ben, vous allez simplement passer à côté de la personne. Alors, on ne se coupe pas les gens. Vous pouvez juste mettre la main sur l'épaule, simplement, d'accord ? Puis juste, tournez-vous vers Jésus, je te bénis au nom de Jésus, bénir la personne, d'accord ? Commencez pas à avoir un dialogue à échanger, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de monde, mais juste bénissez la personne. Ce que j'ai, je te le donne. C'est ça. Sois guéri au nom de Jésus. C'est ça. N'oubliez pas que c'est pas la pitié ou la même si on peut être touché émotionnellement de ce que l'autre vit. Ce n'est pas ça qui fait bouger la main de Dieu, d'accord ? C'est la foi. D'accord ? Donc là, c'est pour ceux qui vont prier, essayez de même si vous êtes pris émotionnellement, de vous rappeler que ce n'est pas ça qui doit vous faire bouger, d'accord ? C'est vraiment la foi. Donc restez dans cette dynamique de foi, parce que c'est la foi qui plaît à Dieu. D'accord ? Et n'oubliez pas, comme David a dit, c'est Pierre qui dit, ce que j'ai, je te le donne. D'accord ? Et ce que vous donnez, ce n'est pas vous. C'est pas votre santé, c'est pas votre. Ce que vous donnez, c'est le Saint-Esprit, d'accord. Et le Saint-Esprit veut plus guérir que vous. Le Saint-Esprit veut plus restaurer que vous. Et le Saint-Esprit aime plus les gens que vous, d'accord. Donc vous transférez juste, d'accord. La paix de Dieu, être dans le repos de Dieu et rester dans cette dynamique de foi, ok. Donc si c'est vous qui êtes malade, que vous êtes physiquement, vous restez là. Et parce qu'on va prier, les autres aussi vont prier pour vous. Si vous êtes venu pour un proche, une fois qu'on est passé, qu'on a prié pour vous, vous avez reçu quelque chose et vous allez vous aller après prier pour ce proche, donc vous pouvez retourner à votre place, juste pour qu'on puisse identifier, sinon on va tourner en rond pendant plusieurs jours. Et d'accord? Puis, pour les autres, si on n'a pas encore prié pour vous, soyons toujours dans l'atmosphère d'adoration comme tout à l'heure, d'accord ? Soyez pas dans l'attente, là, en disant, bah, on attend que David et Jérémy passent. On adore Dieu, on loue Dieu, priez en langue, adorez Dieu, gardez vos yeux fixés sur Jésus, n'attendez pas ce qu'on vous passe, vous voir. Attendez à ce que le Saint-Esprit passe. Et en fait, il peut passer avant, après nous, peu importe. Dieu peut vous toucher avant qu'on passe. D'accord ? D'accord ? Ou après, c'est pas. Donc, gardez cette attitude-là, d'atmosphère. Ok ? Est-ce qu'on peut louer et adorer Dieu ensemble ? Puis on va venir prier pour vous.
Adorez Jésus. Adorons Jésus. Il vient au milieu des louanges de son peuple. Descende, Jésus. Que ta gloire descende, Seigneur. Plus. Plus, Jésus. Plus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bénis ce que tu fais, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté de guérir soit faite. Merci Jésus. Tu es venu détruire les œuvres du diable, Jésus. Libérer tous les captifs. Nous donnons gloire à ton saint nom, Jésus. Est-ce que je peux te toucher? Gloire à Jésus. Seigneur, tu couvres tes enfants de ton amour. Bénissons ce que sont en train de faire les anges maintenant. Donnons gloire à ton saint nom. Gloire à Jésus. Alléluia, Jésus. Alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu as remporté la victoire sur la mort. Seigneur, tu viens et tu as la guérison sous tes ailes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je bénis ce que tu fais. Nous plongeons dans ta rivière. Nous unissons en esprit, Jésus. Plongeons dans ta rivière de guérison, dans les profondeurs de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Seigneur, on prie que les forteresses tombent. L'ennemi se croit en sécurité, mais il a peur et il tremble.
Lorsque les espions sont allés voir Shérab, ils ont découvert que le peuple de Jéricho avait peur. Ils tremblaient. Lorsque l'ange de l'armée de l'Éternel est arrivé, le chef, il a dit : me voici, j'arrive maintenant. Seigneur, on prie que tu viennes dans chacune de ces vies et que tu donnes tes stratégies de prière. Pour que ces murailles qui semblent infranchissables s'écroulent sous la puissance de Dieu. Merci Jésus. Seigneur, je prie pour ces stratégies de prière, cette foi renouvelée. Merci Jésus. Relâchons ta puissance de guérison, Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 68 que les louanges qui montent vers Dieu préparent le chemin à celui qui chevauche les nuées. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'exaltons. Nous préparons le chemin. Ouvre la voie, que le ciel descende, que le ciel descende, que le ciel descende, que ton règne vienne. À Jésus le règne, à Jésus la gloire, à Jésus la louange, à Jésus la domination. À Jésus la seigneurie, à Jésus la sagesse, à Jésus le trône. Nous donnons gloire à Jésus-Christ. Que l'agneau reçoive la récompense de ses souffrances. Nous disons Jésus. Jésus. Jésus, que toutes ces maladies qui ont un nom qui fait trembler les hommes se mettent à trembler et fuient maintenant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, nous prions que l'épée qui n'est pas celle d'un homme fasse mettre en déroute et fasse trembler le rocher de nos ennemis. Que les fondations spirituelles des maladies soient ébranlées. Que ton règne vienne. Nous déclarons ta bénédiction. Déclarons ta bénédiction, Jésus. Nous bénissons ce que tu fais, Seigneur. Te donnons toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Que ta pluie tombe. Que les cœurs soient rafraîchis. Que l'espoir revienne. Te donnons toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au ciel, il n'y a plus de douleur, plus de souffrance, plus de maladie. C'est la manifestation parfaite de ton cœur, Seigneur. C'est ta volonté. Alors nous prions que ta volonté soit faite dans les corps ici-bas maintenant comme elle est faite au ciel. Nous disons Amen Jésus. Nous disons Amen à ta volonté de guérir.
disons amen, Jésus. Merci pour ta puissance de résurrection. Seigneur, je prie que tout ce qui est mort reprenne vie. Que les nerfs sectionnés soient reconnectés, que les neurones endommagés soient régénérés, que les parties nécrosées soient régénérées, que ce qui a été amputé repousse, que ce qui était manquant à la naissance soit recréé. Nous appelons maintenant à la vie. Nous appelons à la vie, Jésus. Seigneur, on prie spécifiquement aussi pour la stérilité. Est-ce qu'il y a des gens encore, vous êtes physiquement présents dans la salle, vous avez vous-même une maladie incurable et on n'a pas encore prié pour vous, juste qu'on veut identifier. Toi ? Ah non, ok. Ok, parce qu'on ne veut pas vous oublier. Ok ? Ok. On va prier encore pour eux et après on va prier encore pour vous, ok ? D'accord ? C'est juste... Ok. Tournez-vous vers Jésus, donnez gloire à Jésus. Il y a vraiment dans le psaume 68, il est dit que notre louange... prépare le chemin à celui qui chevauche les nuées. Vous savez, j'ai vécu au Canada, il y a des chasse-neige quand il neige. Et l'idée, c'est que le chasse-neige, il ouvre la voie pour que les voitures puissent passer. Et notre louange, notre adoration, d'accord, attire la présence de Dieu et crée un chemin vers les cœurs. D'accord ? Donc, ce n'est pas vers nous que vous devez avoir vos yeux, c'est vers le Seigneur. D'accord ? Donc, on n'a pas une équipe de louange. Mais on a des adorateurs. D'accord ? Donc, adorez Jésus. Donnez-lui gloire. Concentrez-vous sur Jésus. Vous n'êtes pas en train de faire la queue comme à la boucherie avec un ticket. Vous êtes en train d'attendre le Seigneur. Et vous lui dites, je t'aime Jésus. Vous célébrez sa bonté. Vous lui donnez gloire. Parce qu'il est bon, qu'il est là et qu'il agit. On donne gloire à Jésus. Alléluia. Tu relâches ton amour. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais. Plus, je bénis ce que tu fais Seigneur. Je bénis ce que tu fais Jésus. Je te donne toute la gloire. Sois exalté Seigneur. Nous savons que si nous prions selon ta volonté, tu nous écoutes. Et que si tu nous écoutes, nous possédons la chose que nous t'avons demandée. Alors nous te disons merci pour ce que nous avons reçu aujourd'hui. Nous te disons merci Seigneur. Nous t'exaltons Jésus. Merci pour ce qui est en chemin. Merci pour ce que tu as initié. Merci Jésus. Merci Jésus pour celles et ceux qui vont se réveiller demain matin, qui vont dire mais c'est plus là. Merci pour celles et ceux qui vont recevoir leurs analyses, leurs examens, et on va leur dire on comprend pas, c'est plus là. Merci Jésus pour les médecins qui vont dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Je comprends pas, c'est pas possible. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu vas faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Nous bénissons ce que tu fais, Seigneur. Plus, Jésus, plus. Gloire à Jésus. Seigneur, que ton règne vienne. Alléluia. Que le ciel descende. Ta gloire descende, Jésus.
Seigneur, je prie de prendre tes enfants dans tes bras, Seigneur. Gloire à Jésus. Jérémie. Merci, Jésus. Bénissons ce que tu fais, Seigneur. Te donnons toute la gloire. On déclare la victoire de Jésus-Christ. Ton triomphe, Seigneur. Ton triomphe. Bénissons ces personnes, plaçons ton nom sur elles, au nom de Jésus. Et un de tes noms, c'est « Je suis celui qui te guérit ». Seigneur, j'élève ta bannière, j'élève ton nom, Jésus. Seigneur, je prie que tu étires notre foi pour plus. Conduis-nous plus loin, Seigneur. Conduis-nous plus loin. Conduis-nous plus loin, Jésus. Merci Jésus. Alors on prie là pour toutes celles et ceux, vous êtes là pour un proche. Et il y a ce verset dans les Actes qui nous dit qu'on prenait les linges qui étaient sur l'apôtre Paul et les gens croyaient qu'ils avaient reçu quelque chose. Et ensuite ils allaient par la foi appliquer ces linges qui avaient été bénis sur le corps des malades qui étaient proches. Et la Bible nous dit que les maladies quittaient les corps et que les démons sortaient. Alors qu'on prie pour vous maintenant, croyez que vous avez reçu quelque chose. Et osez aller prier avec foi. Et comme vous l'avez entendu Thibault le partager tout à l'heure, engagez le combat. Engagez le combat. Le Seigneur veut vous utiliser. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui vit en vous. C'est le même. Priez pour des victoires dans les familles. Témoignage à la gloire de Jésus. Croyez que vous avez reçu quelque chose maintenant. Seigneur, je prie ton feu dans les mains pour guérir les malades. Au nom de Jésus. Je prie spécifiquement pour les gens qui ont des problèmes cardiaques. Il y a des valves qui vont être créées, l'arythmie qui va cesser, il y a les artères qui vont se déboucher. Les malformations congénitales soient éliminées
On appelle des cœurs neufs maintenant, la fin des problèmes cardiaques. Les gens qui sont super smakers, ils n'auront plus besoin. Ce sera inutile. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Relâche cette onction de guérison sur vous maintenant. Te bénis, Seigneur. T'exalte, Jésus. Sois béni, Seigneur. Saint-Esprit, tu distribues maintenant, tu équipes. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Peut-être l'ennemi te regarde et il se moque de toi. Regarde, il se moque de toi parce que comme Goliath se moquait de David, il lui dit, mais là je vais te couper la tête, je vais te donner à manger aux chiens. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il lui restait plus longtemps à vivre. Et c'est David qui lui a coupé la tête. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, on prie pour la régénération des chromosomes. Les maladies génétiques. Déclare la bénédiction et la paix de Dieu. On annule toutes les conséquences des malformations. Prie pour la restauration, Jésus. Tu es le Créateur. Je te prie de faire ce que toi seul peux faire, Seigneur. Inspire des prières sur des choses impossibles, à la grandeur de qui tu es, à la mesure de qui tu es. Seigneur, je prie pour une onction de résurrection aussi. Pour ressusciter les morts. Comme tu l'as fait pour mon fils, Jésus, je prie pour qu'il y ait des résurrections. Je prie au nom de Jésus pour qu'il y ait des résurrections, Seigneur. Et les résurrections, des fois, on s'y prépare. Il y a des fois, on n'est pas prêt. On est étonné, on est surpris, quelqu'un décède face à nous, il y a un accident, il y a une noyade, il y a un AVC, une crise cardiaque. Et vous allez être là au bon moment. Et là, vous allez être face à la mort qui est l'ennemi de Dieu. Et vous ne serez pas seul. Là, votre cerveau va dire, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Et vous allez appeler la personne à la vie. Il y a une onction de foi, un don de foi qui va vous être communiqué. Et la personne va revenir à la vie. Merci Jésus. Nous ne sommes que des vases de terre. Pour certains, on est des vases ébréchés, abîmés. Certains vous disent, mais moi je suis juste un tesson. Mais Jésus veut te remplir. Il veut t'utiliser.
tu as choisi des pêcheurs de poissons qui n'étaient pas très qualifiés, qui avaient toutes sortes de problèmes. Et tu les as utilisés. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui se disent « Mais qui suis-je ? Je ne suis pas digne. » Seigneur, comme Isaïe a eu cet ange qui est venu le toucher avec ce charbon de l'autel, embraser, purifier sa bouche, je prie maintenant que tu viennes toucher tes enfants. Que tu viennes les toucher, Seigneur. Que tu viennes déverser ton onction et ton feu, Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu fais, parce que tu touches tes enfants. Merci Jésus. Je prie pour cette onction qui fait qu'on a dit aux disciples, mais ces hommes sans instruction ont bouleversé le monde. Et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Je prie que lorsqu'ils vont imposer les mains à leurs proches, en rentrant à la maison, ta puissance soit relâchée. Certains, vous ressentez des choses, d'autres, vous ressentez rien, vous dites, mais moi, qu'est-ce qui se passe avec moi ? Mais c'est comme si le Seigneur vous avait donné une grenade, mais elle n'est pas encore dégoupillée. Et vous allez la dégoupiller quand vous allez arriver près de cette personne pour qui vous devez prier. Et c'est là que la puissance de Dieu va être relâchée. Bénis ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ce que tu fais, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Buvez. Buvez. Buvez à ces eaux vives. Buvez à ces eaux vives. Buvez à ces eaux vives. Je te donne toute la gloire, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Alléluia. Seigneur, on est comme cet homme qui vient voir son ami en pleine nuit, qui dit, je n'ai plus de pain, j'ai besoin de pain. Son ami lui donne du pain. Seigneur, face à tous ses besoins, on se sent démuni. Mais nous nous tournons vers toi qui es le Tout-Puissant. Je ne sais plus si je suis passé au milieu là. Je suis passé ici. Ok. Ok. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur est là. Certains, vous sentez cette douce présence de Jésus qui est là. Vous êtes en train de tremper dans sa présence, comme une éponge qui s'imbibe. Alléluia. Concentrez-vous sur Jésus. Ouvrez-lui grand votre cœur. Merci, Seigneur.
Jésus, gloire à Jésus. Bénis ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour toutes celles et ceux qui ont vu des guérisons, soit au travers du défi guérison, en lisant les livres, les vidéos, tout ça. Et vous dites, Seigneur, j'en veux plus. Seigneur, j'en veux plus. Alors je prie pour ce plus, Seigneur. Je prie pour ce plus. Tu dis, mais Seigneur, je dois prier 15 fois avant que la personne soit guérie. Je prie que ce soit plus rapide. Il y en a d'autres. Vous dites, mais il y a des choses, j'ose pas prier. Je ne sais pas comment faire. Et je prie pour cette audace, une audace neuve maintenant, au nom de Jésus. Plus Jésus. Plus Seigneur. Il y en a certains, vous voyez les maladies comme des géants, mais qui sont tellement grands, comme les espions qui sont revenus de Canaan. Ils ont dit, mais on est comme des sauterelles. C'était pas vrai. C'était exagéré. Je te prie pour toutes celles et ceux qui se voient comme des sauterelles. Et je veux te dire, tu n'es pas une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle. Le Seigneur t'utilise maintenant. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me conduit sur les hauteurs. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui sur le trône. Et je prie maintenant pour un changement, un shift, un changement de perspective. Que lorsque vous allez prier, vous n'allez plus prier comme une sauterelle. Mais vous allez prier à partir du trône. Pleinement conscient de votre autorité en Jésus. Pleinement conscient du triomphe de Jésus. Pleinement conscient de la suprématie totale de Jésus-Christ. Je prie pour que ce changement de perspective vous amène à ce que ces bénédictions spirituelles deviennent accessibles à votre foi. Comme je le montrais tout à l'heure, que votre bras puisse tendre la main sur la table que Dieu a dressée devant vous. Jérémie et moi, on n'est pas arrivés. On ne prétend pas tout savoir, avoir tout compris. Il y a des choses qu'on voit beaucoup, des choses qu'on voit un petit peu, il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Et la raison pour laquelle on persévère, c'est parce qu'on sait que Dieu veut nous les donner. Alors je prie pour toutes celles et ceux qui ont vécu des déceptions. Vous avez des déceptions dans votre cœur. J'ai prié, la personne est morte. J'ai prié et... La personne a dit, mais je veux que tu arrêtes de prier parce que ça me fait trop mal au cœur de ne pas être guéri. J'aimerais prier pour cette déception. Cette déception qui vient comme étouffer votre foi. Vous savez, moi j'ai pas trop connu ça, mais... Certains peut-être, quand on a des chandeliers avec des bougies, il y avait je sais pas comment on appelle ça, pour éteindre la bougie, vous savez, comme une petite cloche, comme au-dessus de la bougie, là, pour l'éteindre. Il y en a certains, votre foi, c'est comme cette petite flamme. Et l'ennemi est venu mettre cette, je sais pas comment on appelle ça, une cloche, hein, un éteignoir, c'est ça, pour venir éteindre la bougie, pour éteindre la flamme. Alors Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, ok, imaginez que vous êtes la bougie, que la flamme est dans votre tête, mettez votre main sur votre tête et on va enlever cet éteignoir maintenant. Au nom de Jésus, j'enlève maintenant cet éteignoir, tout ce qui m'empêchait de briller, tout ce qui venait étouffer ma foi, je te donne la déception, je te donne les incompréhensions, les j'ai pas compris et pourquoi, et je pensais tellement, et j'étais tellement convaincu, et je suis tellement déçu, et je croyais que... Je te donne tout ça, Jésus. Je te remets mes incompréhensions.
Seigneur, je te remets le deuil. Je te remets la douleur. Je te remets le poids, ce sentiment de que c'est trop dur, que j'y arriverai pas. Te remets tout ça, Seigneur. Et Jésus, on veut retrouver cette fraîcheur dans la foi pour aller plus loin et voir des percées. Je prie maintenant que tu attises la flamme, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit est à l'œuvre. Je prie, Esprit de Dieu, d'accentuer ta présence maintenant même dans cette salle. Dans le nom de Jésus. Accentue ta présence maintenant même dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Je prie pour l'ivresse de l'Esprit. Je prie pour l'ivresse de l'Esprit maintenant même. Maintenant. Maintenant. Je prie pour... J'en sois rempli de toi maintenant même. Plus, j'appelle plus maintenant, plus, 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 je prie une huile de joie maintenant, une huile de joie qui coule, une huile de joie qui coule maintenant, 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 le feu de Dieu maintenant, levez vos mains, je prie pour vous maintenant même, une huile de joie, à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont dit, ah, ils sont pleins de vin doux. Il dit, non, il est 9h du matin. Saint-Esprit était à l'œuvre, ils étaient tellement ivres de joie. Il y avait quelque chose du Saint-Esprit qui a été communiqué. Il y avait une telle présence de Dieu. Et ils ont dit, non, ils sont pleins de vin doux. Maintenant, c'était le Saint-Esprit qui agissait. Alors maintenant, je prie pour une huile de joie. Maintenant, je prie pour une visitation. Maintenant, dans le nom de Jésus. Recevez maintenant le feu de Dieu maintenant sur vos vies. Maintenant, plus. Plus. Maintenant. Maintenant, plus dans le nom de Jésus. Maintenant, plus, plus. Que le Saint-Esprit vous visite maintenant de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, maintenant même dans le nom de Jésus. Recevez. Recevez. Recevez maintenant même dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une huile de joie. Une huile de joie maintenant. Plus. Tu visites, tu touches maintenant, Esprit de Dieu. Je prie de venir et remplir de toi ta présence maintenant même. Ton feu maintenant. Ton feu maintenant même. Maintenant. Maintenant. Alléluia. Plus. 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 Alléluia. Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Saint-Esprit est à l'œuvre. Laissez-vous toucher par son amour. Laissez-vous toucher par sa puissance. Il est à l'œuvre. Je libère sur vos vies maintenant l'onction de puissance, présence de Dieu maintenant. Je la libère sur vos vies, une plus grande mesure de sa puissance, de sa gloire. Maintenant, recevez. 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 Maintenant, sur vous. Cette puissance, le feu de Dieu maintenant, le feu de Dieu maintenant, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, plus. Alléluia. Le feu de Dieu maintenant. Seigneur, agis, 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 encore, 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 encore. Alléluia. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu le visites maintenant. Tu visites, tu touches maintenant même. Tu touches maintenant.
Tu visites, Seigneur. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Je sens que le Saint-Esprit veut continuer, mais en fait, il va continuer cet après-midi. Des belles choses qui vont arriver. C'était une bonne session. Je vais vous inviter à vous rasseoir. Et on va donner 2-3 consignes. Et puis, vous libérer pour le repas. Alléluia. Donc, juste vous rappeler, vous avez certainement vécu des choses. Il y en a probablement qui ont... Ça se peut qu'il y a des gens qui ont eu des visions. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des visions pendant qu'on priait, peut-être ? Oui, il y en a qui ont eu des visions. Écrivez votre vision. Déjà pour vous. D'autres, vous avez ressenti des choses, vous avez expérimenté quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui vous avez ressenti des choses particulières ? Juste faites-moi un petit signe de la main. Voilà. D'autres, certains, Dieu vous a parlé. Vous avez des pensées qui sont venues, Dieu vous a parlé. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce genre de moments, c'est des moments qui sont marquants, en fait. Moi, je me souviens quand j'ai vécu ce moment, le 1er août 2012, c'était en 2012, je crois, et après ce moment-là, quand je priais pour les gens, ils me disaient, je ressens comme de l'électricité, ou oh, c'est bizarre, je ressens une chaleur. Et moi, j'étais, non, mais c'est vrai, non, sérieusement. Tu sais, j'avais du mal à croire que c'était vraiment vrai, quoi. Ils disaient, oui, ok, genre. Donc, nous, on prie pour vous et on veut vraiment vous activer, quoi. Moi aussi. Jésus dit, Jésus veut que votre joie soit parfaite alors que vous allez prier, que vos prières vont être exaucées. D'accord ? Donc, écrivez ce que vous avez vécu, tout ça. N'hésitez pas à utiliser la feuille, là, avec les QR codes. Vous pouvez écrire votre petit témoignage, comme ça, on aura le temps de les lire, tout ça. Ça va nous encourager aussi, et peut-être on en partagera aussi quelques-uns. Si vous souhaitez faire une offrande, vous pouvez le faire, vous avez donc la librairie. Et on va vous présenter, pour ceux qui ne savent pas encore, on a écrit plusieurs livres. Finalement, on n'a pas trop fait ce qu'on avait dit. On n'a pas fait un quart, un 10% de ce qu'on avait prévu, et pourtant on avait 4 lignes sur notre note. On avait 4 lignes pour la matinée. On a fait la première ligne, je pense. On a fait la première ligne. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on a un livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Baptisé dans le Saint-Esprit, qui en fait parle de tous les blocages qu'on peut avoir concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Dedans, vous avez plus de 60 témoignages que j'ai triés parmi 300 témoignages que j'ai reçus. Et l'intérêt en fait de ce livre, c'est que c'est une étude systématique sur toutes les questions que je reçois tout le temps, que tous les gens se posent concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, vous avez des craintes qui sont émotionnelles, vous avez de l'ignorance, vous avez des peurs. Des mauvaises expériences, des incompréhensions, qui est le Saint-Esprit, à quoi ça sert de parler en langue, comment ça va se passer. Et en fait, ce qui se passe, c'est très particulier parce que là, au cours des dernières semaines, j'ai reçu vraiment plusieurs témoignages de personnes qui disent, je ne sais pas si vous pouvez télécharger un extrait gratuit sur mon site, et les gens disent, j'ai lu la table de matière, ou j'ai lu l'extrait, et j'étais baptisé, je me suis mis à parler en langue, j'ai vécu une délivrance en lisant l'extrait. C'est très puissant. Et dedans, vous avez beaucoup de témoignages. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des personnes qui ont leurs témoignages qui sont dedans. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, oui, mon témoignage est à la page 24, c'est Chantal, je crois. Est-ce qu'elle est là ? Ah, voilà, Chantal. Le témoignage de Chantal à la page 24. Il y a des témoignages en audio, enfin en vidéo et par écrit. Et c'est vraiment... En fait, pourquoi j'ai écrit ce livre ? C'est un, pour que ceux qui veulent être baptisés en Saint-Esprit, qui des fois attendent depuis longtemps, le soient. Tout à l'heure, on va prier pour le baptême en Saint-Esprit. C'était dans notre programme, on n'a pas eu le temps. Ça tombe bien, c'est pas fini. Deuxièmement, c'est surtout pour que vous compreniez, vous, comment ça fonctionne, quelles sont les craintes et les questions que les gens se posent, pour que vous puissiez aider les gens afin qu'ils soient baptisés en Saint-Esprit quand vous allez prier pour eux. Parce que le baptême en Saint-Esprit, ce n'est pas un truc, je vais t'amener à mon pasteur, il va prier pour toi. Le Saint-Esprit, il est en toi, tu peux communiquer le feu. Mais des fois, les gens, ils ont des questions et tu ne sais pas répondre aux questions parce que toi, tu ne t'es pas posé la même question. Donc, tu ne connais pas la réponse, tu dis « Ah ouais, ça n'avait pas pensé à ça. » Donc, tu ne sais pas comment aider la personne. Tu vois ? Ou alors, tu penses que les gens vont être baptisés en Saint-Esprit comme toi, tu l'as été. Et du coup, ça ne marche pas.
Moi, la première fois que j'ai prêché comme pasteur sur le baptême du Saint-Esprit, je pensais que ça allait se passer comme moi je l'ai vécu. Donc j'ai prêché, à la fin je dis, bon voilà, ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, venez, voilà, et puis il ne s'est rien passé. Et là je me suis senti tout seul, c'était un grand moment d'agonie, tu vois. Et après pendant un moment, j'ai plus trop prié pour ça, tu vois, ça m'a vacciné. Et après le Seigneur m'a rappelé ces choses-là, parce que des gens se mettaient à être baptisés du Saint-Esprit sans que je prie. Et Et moi j'ai un vécu où, entre mon baptême et mon baptême dans le Saint-Esprit, c'est passé 4 ans. Et il y avait toutes sortes de conceptions, tout ça, et ça a été long pour moi. Et donc voilà, je vous le recommande, baptisé dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va être baptisé dans le Saint-Esprit qui n'a pas encore lu le livre? Alors, monsieur avec la chemise grise là, alors, je te l'offre, sois béni. Et ensuite de ça, je vous recommande vraiment de prier pour les gens, d'accord? Dieu veut vous utiliser. De la même façon que tu peux prier pour que les gens soient guéris, eh bien, tu peux prier pour qu'ils soient baptisés en Saint-Esprit. D'accord? Ah, ok, vas-y. Deuxième livre, À l'écoute de Dieu. On en parlera plus cet après-midi, mais est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu, À l'écoute de Dieu? Bon, qui ne l'a pas lu encore? Eh bien, voilà. Ok, on en a ramené quand même quelques-uns au cas où. À l'écoute de Dieu, c'est le premier livre que j'ai écrit. C'est un guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu, et plus encore. En fait, ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs, ce n'est pas celui-là que j'aurais dû présenter l'autre avant, mais ce n'est pas grave. Bon, en gros, ça, c'est, parmi tous les livres que j'ai écrits, c'est le deuxième que vous devez lire. Le premier que vous devez lire, c'est le guide audio 21 jours à l'écoute de Dieu. Il y en a qui l'ont fait, celui-là, le guide audio 21 jours à l'écoute de Dieu. Ouais. Le guide audio 21 jours à l'écoute de Dieu, c'est comment apprendre à reconnaître la voix. Ah, bah, il est là, vas-y, tu peux me le montrer, là. Comme ça, les gens vont voir. Merci, je te le rends après. Voilà, celui-là, c'est un guide audio. C'est-à-dire que vous avez du texte et vous avez aussi des QR codes avec le Covid. Merci le Covid, tout le monde sait ce que c'est qu'un QR code maintenant. Là, vous scannez le QR code et vous avez ma voix avec une douce musique. Et là, vous avez l'enseignement. Et ensuite, je prie pour vous. Ensuite, je vous guide dans la prière. Et ensuite, je vous laisse avec Jésus. La musique continue et Jésus vous parle. Et après, vous avez 150 témoignages de gens dedans qui ont entendu Dieu pour la première fois ou eu des visions, tout ça. Il y a plus de, peut-être 15 000 personnes qui ont suivi ce guide. Et ça va changer votre vie. Ça, c'est vraiment la base. C'est comment le béaba, comment apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et c'est pour vous. Parce que ceux qui sont conduits par le Saint, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. D'accord? Bon, merci. Maintenant, une fois que vous entendez la voix de Dieu, alors là, vous pouvez lire À l'écoute de Dieu. Les premiers chapitres reprennent en plus condensé l'enseignement. Et ensuite, c'est maintenant que j'entends la voix de Dieu, qu'est-ce que je fais avec ce qu'il me dit? Parole de connaissance, délivrance, autodélivrance, parole prophétique, prier comme un ambassadeur, c'est-à-dire prier avec une autorité, avec des prières prophétiques, comment Dieu peut vous diriger et tout expliquer, comment recevoir des visions, interpréter les visions. Il y a un petit chapitre sur les rêves, mais le bouquin de Jérémie en parle plus. Non mais vas-y, parle-en. Et voilà, donc je le recommande, ça c'est étape 2, apprendre à reconnaître, enfin que faire avec, maintenant qu'on marche à l'écoute de Dieu, voilà je vous recommande. Est-ce que quelqu'un qui ne l'a pas encore et qui a son anniversaire aujourd'hui? Est-ce quelqu'un qui a son anniversaire aujourd'hui? Est-ce quelqu'un qui a 5 enfants ou plus? 5 enfants ou plus? Sois béni. Sois béni. Tu veux que je parle de ton livre? Vas-y. Allez, bon. Mais en fait, moi, je ne parle pas beaucoup, mais c'est pour ça. Jérémie a écrit un livre, Parabole nocturne. Parce que Dieu parle aussi la nuit. Et c'est hyper important, les rêves. Tu lis la Bible, t'enlèves les rêves, t'enlèves plein de pages. D'accord? Jésus serait mort avant 2 ans s'il n'y avait pas Joseph et n'avait pas écouté les rêves. Donc les rêves, c'est hyper important. Nous, tous les deux, avons rêvé pas trop. Et quand Dieu nous a demandé d'étudier les rêves, on s'est dit, ouh, c'est biblique. Et on s'est mis à faire des rêves, on a enseigné sur le sujet. Et après ça, les gens font des rêves et ils interprètent leurs rêves et Dieu les conduit, Dieu les dirige. L'intérêt de ce livre, vas-y, maintenant tu peux... Tu m'as lancé le truc là. Voilà, c'est parti. Non, c'est vrai que on parle du nom de Jésus, on proclame le nom de Jésus, mais est-ce que vous vous souvenez quand même que ça a été révélé dans un rêve, hein, le nom de Jésus? C'est l'ange qui est venu et qui a dit tu l'appelleras Jésus. Et c'est fou parce qu'en fait, quand Dieu parle, on se rend pas compte que c'était dans un rêve. Le nom de Jésus qui est proclamé dans le monde entier a été révélé dans un rêve. Et en fait, ce que l'ennemi a essayé de faire, c'est de mettre ça de côté, alors que c'est un canal privilégié de Dieu. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham dans Genèse chapitre 15, et nous sommes tous les descendants d'Abraham, bah, du coup, ça s'est fait dans une vision et dans un rêve. Et on oublie que quand même, l'alliance, on est les descendants d'Abraham, l'alliance s'est faite dans un rêve.
Et quand Dieu m'a demandé de restaurer la culture du rêve, et quand voilà, je me suis mis à étudier ça, j'ai dit, puis Dieu m'a révélé pas mal de choses, même des enseignements qui sont là-dedans, c'est que je rêvais que j'étais en train d'enseigner sur ce sujet-là, je me réveillais avec les références bibliques, je les écrivais, donc c'était vraiment un téléchargement divin pour ce livre-là, et je pense que ce livre va vous bénir, parce que c'est vraiment, vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne, quand vous dormez, le langage de Dieu est différent. Et ça, vous l'avez remarqué. Et comme je le dis souvent dans Job 33, 14, c'est Dieu parle tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand l'homme est plongé dans un profond sommeil. Donc la Bible est très claire. La question n'est pas de savoir est-ce que Dieu vous parle dans les rêves, c'est de savoir est-ce que Dieu vous a parlé dans un rêve ou vous n'en êtes pas rendu compte. C'est ça la vraie question. Et quand on parce qu'on s'attend à vivre d'une certaine manière un rêve qui vient de la part de Dieu. Et beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup de témoignages, gens qui me disent, mais en fait, je ne me suis même pas rendu compte à quel point Dieu me parlait, à quel point j'ai compris certaines choses. Donc ce livre va vraiment vous aider à interpréter vos rêves et aussi à être des Joseph et à des Daniel pour les gens qui vous entourent. D'accord ? Et puis on parle aussi de, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais comme je pense qu'on était, j'étais venu il y a quelques mois ici dans cette église pour prêcher. Et je parle aussi dans ce livre un petit peu des fois des rêves démoniaques. Des gens qui sont visités, qui ont vécu toutes sortes de choses, des attaques nocturnes. Et il y a une personne qui m'avait pris mon livre, elle avait juste ouvert la page où je parle de ce sujet, puis elle est tombée dans l'esprit. Juste en ouvrant la page, elle a pris le livre, elle a ouvert dans le hall, et puis elle est tombée. Elle était visitée par Dieu, et elle a vécu une délivrance. Donc il y a aussi toutes sortes de choses où c'est un monde. Vous savez, quand vous dormez, je vais finir avec ça, quand vous dormez, effectivement, votre corps se repose. Mais votre esprit ne dort pas et le monde spirituel ne dort pas. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que oui, Dieu nous parle, mais il y a aussi toutes sortes de choses qui peuvent se passer, des rêves de combats spirituels, il y a toutes sortes de choses qui sont importantes et puis qui ne sont pas enseignées à la vérité dans nos églises. Et malheureusement, on a laissé ça au New Age, au truc de sorcellerie, en disant alors que c'est profondément biblique et on a accepté que l'ennemi nous vole ça, alors que c'est un trésor et un cadeau de Dieu. Et puis tellement de personnes qui ont été bénies, visitées par Dieu dans les rêves. Donc le but, c'est à travers ce livre, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice que Dieu construit, de restaurer la culture du rêve dans la vie du peuple de Dieu. Donc voilà. Alors, on vous les recommande. Une chose aussi qu'on constate, c'est que de la même façon qu'il y a des gens qui sont guéris parce qu'ils reçoivent un lien, parce qu'on leur a partagé une vidéo, ils regardent en différé et ils sont guéris, parce que quelqu'un a pris la peine de faire un partage d'une vidéo ou d'un email, ben on a aussi des gens qui sont guéris, touchés, ou leur vie est révolutionnée, leur vie spirituelle est révolutionnée, parce que quelqu'un leur a offert un livre. Et des fois, les gens se disent, oui, mais moi, je ne sais pas trop comment... Offert-le, vas-y. Qui veut rêver? Mais tiens, je n'ai même pas eu le temps de le dire. C'est la foi qui attend. Et donc, des fois, on se dit, mais là, comment ? On parle d'une expérience, mais on ne sait pas trop. Ah, je suis à une conférence, j'ai suivi un ministère, où ça pourrait te faire du bien. Et puis, les gens, des fois, ils sont un peu, on va dire, sceptiques. Mais l'intérêt d'un livre, c'est que les gens prennent le temps de lire tranquillement. Ils peuvent relire, il y a les versets, tous les versets bibliques. Et aujourd'hui, on n'a pas cité beaucoup de versets, hein. Ben, même si c'était des ultra bibliques ce qu'on a fait. On a beaucoup paraphrasé la Bible, mais on a lu le psaume 103 tout à l'heure. C'est pas comme ça, fait une prédication avec 35 versets, toute biblique, grec, hébreu, araméen et compagnie. D'accord ? Vous avez remarqué ? On a juste prié. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait annoncé. On dit, on est là pour prier. C'est le but des face-à-face. C'est pour ça qu'on est là. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Est-ce que ça vous convient ? On était là pour prier. On a prié. Jésus était là. C'était le but. Bon. Mais dans un livre, tu peux aller plus loin. Tu peux étudier. Tu comprends. Et puis même une vidéo par rapport à un livre, c'est différent. Le cerveau fonctionne pas pareil. On vous recommande vraiment aussi d'utiliser ces ressources qui sont là pour diffuser autour de vous, d'accord, que les gens puissent... parce que quand quelqu'un se met à entendre Dieu ou à comprendre ses rêves, il y a une connexion qui se fait avec le Saint-Esprit, et ensuite la personne, elle est propulsée, quoi. Après, ça ne s'arrête plus, d'accord. Et donc, voilà. Donc, on va dédicacer des livres. Ouais. Vas-y, non, vas-y. Je suis lancé là, mais... mais en fait, ce qui est important dans le livre, parce que vous savez, beaucoup, quand on parle de rêve, par exemple, on parle beaucoup de Joseph et de Daniel, d'accord ? Est-ce que vous avez remarqué dans les Écritures qu'ils n'ont jamais interprété un rêve
de quelqu'un qui faisait partie du peuple d'Israël. Ils ont toujours interprété un rêve de quelqu'un qui n'avait pas fait alliance avec Dieu. C'est important, ça. Parce que la réalité des rêves, quand on regarde, on dit Joseph, Daniel, c'était, il y a quand même cette dimension de... Quand on parle de restaurer la culture du rêve, c'est déjà dans sa propre vie, dans sa propre famille. Après, il y a une autre mesure où c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, qui peut nous raconter d'un rêve, mais c'est Dieu qui lui a parlé. Nebuchadnezzar ou Pharaon était très loin du cœur de Dieu, là. Et pourtant, c'était Dieu qui leur avait donné des rêves. Il y a des personnes autour de vous qui rêvent, et Dieu est en train de parler à leur cœur, et vous venez comme des Joseph et des Daniel en disant, voici, c'est Dieu qui te parle, même si tu ne le connais pas, et voici ce qu'il dit. Je raconte une histoire, 30 secondes. La première fois où Dieu m'avait commencé à m'enseigner sur ces choses-là, je m'en souviens, je discutais avec une personne que je ne connais pas du tout, sur les réseaux sociaux, et elle me dit, oui, une femme me dit, oui, mais tu dis que les rêves, quand ça insiste, ça veut dire que Dieu est ferme dans sa décision d'accomplir ces choses. Et elle me dit un petit peu en rigolant, en disant, ouais, mais ça veut dire que, mais en fait, mes poupées d'enfance vont venir me dévorer toutes crues, c'est mon rêve, ça ne veut rien dire ce que tu dis. Et je m'en souviens que le Saint-Esprit m'avait donné la réponse, et je lui dis, non, ce que Dieu est en train de te dire, alors que tu ne le connais pas, c'est qu'il ne veut pas que ce qui s'est passé dans ton enfance te dévore aujourd'hui. Elle s'est mise à pleurer, on a discuté. Elle ne connaissait pas Dieu, mais Dieu était en train de lui dire, ne te fais pas dévorer par ce qui s'est passé dans ton enfance. Et ça, c'est ce que Dieu nous appelle à être. Et on a besoin de l'esprit qui était dans Élie, de Daniel et de Joseph, c'est le Saint-Esprit, et vous l'avez, mais de comprendre comment Dieu les rêves fonctionnent et être des Joseph et des Daniel pour les autres, les gens qui vous entourent. C'est vraiment important. Donc ce livre-là, ce n'est pas simplement pour vous, mais quand vous acceptez la mission de dire « Seigneur, je comprends à quel point les rêves sont importants », et vous savez, quand quelqu'un a un rêve et vous en parle et vous l'interprétez, la personne n'est pas une vision, elle sait ce qu'elle a rêvé. C'est tangible pour elle. Et qu'elle comprend que c'est un message qui vient de Dieu, qu'elle ne connaît pas, je peux vous assurer que ça fait une vraie différence. Parce qu'elle sait qu'il y a eu un message divin. Je finis avec ça. On dit amen, hein ? On est bénis. Bon, est-ce que vous avez envie de revenir cet après-midi? Juste pour savoir si nous on va faire une sieste ou... Non, c'est bon? Ok. Alors, là ce qu'on va faire, il est midi 24, on va reprendre à 2h. D'accord? Ça vous laisse 1h30 pour aller manger dans le coin, il y a à manger. Nous on va dédicacer les livres là maintenant. Ok. Voilà. Et on se revoit tout à l'heure. Ça vous va ? Ok ? Super, à tout à l'heure.